Bonsoir mes petits kikounets, j'espère que vous allez bien. Oui, merci Popo pour ton bordel là juste avant, histoire de dire. Bien, bonjour mon petit Gredus et bonjour à tous et bienvenue sur Monsieur Patou, la saison numéro 2 pour l'épisode 3. Nous allons trouver un job pour Monsieur Patou, si c'est pas le cas, eh bien nous trouvons une autre solution. Soit on désingue tout le monde. Bref. Voilà, c'est comme ça, puis c'est tout. Ben. Allez, on va chercher sa voiture. Je suis toujours à l'hôtel, hein. Et re-happy. Vous êtes toujours dans mes petits patients. Oui. Bon, on va voir si j'ai une petite note. Toujours pas. Ben. Et tu te rappelles quand on s'est parlé il y a 2 jours pour Twitch? Ouais. Oui, Gredu, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça? Je suis quasi Twitch partenaire. Ah, GG, GG à toi, cool. Partenaire? T'es sérieux? Mais tant mieux. Par contre, je voulais voir un truc là. Ah, si ça a été connecté cette histoire là. Actualise. Qu'est-ce qui me sort ce truc là? Autorisation. Autorisé. Qu'est-ce qui me fait ce truc là? Attends, attendez, je regarde un truc là, je sais pas ce qu'il a fait. Attendez, une minute. Si je fais ça. Genre ça. No God! Ok, ça marche. Je croyais qu'il y avait un problème de synchronisation avec le truc. Bien. Je me suis... Il m'en manque 9 et c'est que tu dois avoir 25 follow et plusieurs jours de stream. Ah, ok. Ah, c'est pas partenaire, c'est tu vas être affilié. Partenaire, il faut un quota de 75 de viewers pendant tant de jours, je sais plus combien. Et après, quand on est partenaire Twitch, le enfin, c'est pas un problème, mais après, il y a des conditions. Tu ne fais pas ce que tu veux, en fait, en tant que partenaire. Hein, ouais. Donc moi, ça me va, en fait, en mode affilié. Ben, alors, on va voir s'il y a toujours ce gars qui pourrait... Alors bon. Voilà, ça roule, moto, moto. Moi aussi, hein, je peux faire de la moto, hein. Boum, 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 boum. Fort de café, ça, quand même. Eh, oh, 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 vous voyez pas qu'il y a quelqu'un qui passe, non? Purée. Purée de pommes de terre. Oui, voilà, c'est 50 follow. Oui, c'est ça, c'est 50 follow pour être affilié. Bah, tu vas les avoir, de toute façon, si t'as trouvé... Allez-y, allez-y. Ça roule dans tous les sens. J'ai un mec qui m'arrête à 69. Bah, c'est cool, c'est gentil de sa part, en tout cas. C'est bien, faut comment dire, soutenir les petits. Nous sommes petits, nous sommes des petits streamers. Ah, il y a quelqu'un.
Bonsoir. Bonsoir. Je vous dérange pas? Pardon? Je vous dérange pas? Non, bah non, non, monsieur. Ah, bah non, mais on sait jamais, hein, parce que vous êtes avec votre, comment, votre machin, là, votre... La tablette. Oui, c'est ça, la tablette. Oui, et qu'est-ce que vous faites sur votre tablette, là, du coup? Tablette, pardon. Ouais, je passe le temps. Ah oui, d'accord. Dites-moi, vous pouvez me renseigner pour une voiture? Oui, dites-moi. Je cherche une voiture un peu vintage. Vintage, ça marche. Non, vintage. Oui. C'est bien écrit vintage. 20 ans d'âge ou vintage? Non, vintage, c'est bien écrit dans les catalogues, vintage. Bon, je vous l'apprends, on dit vintage. Ah oui? Oui. Ah merde. Ça a moins c'est de charme. C'est pas grave. Oui, ça a c'est moins de charme. Oui. Alors... Oui. Dans les catégories? Ben je sais pas, non, je sais pas, faut appuyer sur le catalogue, là, où ça montre les voitures, là, où ça fait pouf-pouf, là, puis pouf et badaboum. Qu'est-ce qui se passe avec ces voitures? Pourquoi elles sont comme ça, elles, là-bas? Bon. Ah, je sais pas, vous en avez des beaux modèles, hein, par contre. J'ai pas de catégorie. Ouais. Vintage. Oui, vintage. J'ai pas ça comme catégorie. Ah, vous avez pas la catégorie vintage. Bon. Non. Compact, coupé, muscle, off-road, SUV, sedan, sport, sport classique, super, van et métier. Oh, j'ai pas envie de faire de rébus maintenant. Hein. C'était pas vraiment la soirée pour faire un rébus, oui. Un scrap, peut-être? Non, mais ça, ce sont les catégories que j'ai. Ah oui, d'accord. Bien. Ben, je sais pas, vous avez des modèles où on peut, comment dire, voir s'il y a vintage ou quelque chose ou pas du tout? Alors, c'est le nom du véhicule qui s'appelle comme ça ou... Non, c'est, comment dire, c'est parce que ça, c'est ça, là. Un style. Si on regarde, oui, voilà, c'est un style. Oui, comme vous dites. Parce que là, vous regardez, ça, c'est pas terrible comme voiture. Ça peut attendre, je trouve que ça n'a pas de gueule. Vous voyez ce que ça veut dire, ce que je veux dire, hein? Déjà, là, on a déjà une meilleure gueule. Alors ça, c'est une Glendale. Hein? Pardon? Ça, c'est une Glendale. Ah oui, une Bumble. Bon, ben alors, très bien. Ouais. Attendez, j'essaie de regarder ce que je peux avoir qui fasse ce style-là, dans les muscles. Elle est aigrie? Je sais pas. C'est la Bamos. C'est qu'elle a vraiment rencontre avec Poitou. Ouais. Oui. J'ai celle-ci, ou alors j'ai la Philippe. Oui. Est-ce que c'est elle? Ah oui, déjà. J'ai la Philippe. C'est joli, ça coûte combien ça? 54 000. Ah oui, quand même. Alors dites-moi si vous avez un budget précis. Non, je n'ai pas de budget précis, non, pas spécialement. Alors, la Deviante. Ça, c'est joli, par contre. Faut retenir ça. J'aime beaucoup. La calandre devant, elle est pas mal avec les feux carrés. Puis le clignotant qui est bien sur le côté, là. Parce qu'ils ont tendance maintenant à mettre les clignotants sur les rétroviseurs. Faut être complètement con. Mais enfin, bon, voilà. Oui. Et ça, faut retenir. C'est la tulipe. Ah, c'est une tulipe? Oui. Ah, bah, dis donc. Je vais plutôt... J'aurais dit vert chiasse, mais bon... Ouais. Non, je sais pas, vous êtes d'accord quand même, la couleur elle est pas... Oui, la couleur, hein, mais je vous parle pas de la couleur, je vous parle du nom du véhicule. Ah oui, d'accord. Ah, c'est écrit quoi, tulipe? C'est c'est une déclassée. Ah merde, elle est déclassée. Alors, elle coûte moins cher. Non, pas spécialement. Non. Ah merde. Ça, c'est la Deviante. Ah oui, ou ça va peut-être un peu trop vite pour moi, ça. C'est fait partie de la catégorie muscle, donc ça dépend du véhicule. Coquette Blackfin, elle est où la coquette Blackfin? Ah, je suis pas dans la bonne catégorie, oui. Ah. Alors, coquette 3, est-ce que c'est elle? Oh, ça c'est joli. Oui, c'est celle-là, ça c'est la coquette Blackfin. Et ça coûte combien ça? Celle-ci, elle coûte 66 000. Ah oui, c'est très joli. Oui, c'est très joli, voilà. Hein. C'est classe, quoi. Oui. Alors, qu'est-ce que je veux aussi avoir?
Stallion, alors elle est où la Stallion? On dirait une bouche quand on regarde. On a l'impression qu'elle est contente, la voiture. Oui. Ah, oui. Alors ça, c'est une décapotée. Ah oui. Faut pas porter de chapeau, sinon le chapeau se barre. Oui. C'est à peu près ça, ouais. Eh ben oui. Alors, la SUV, il n'y a pas. Dans les vannes. Oui. Dans les vannes, il n'y a pas. Oui. Ensuite, ça, c'est métier, donc il n'y a pas. Le Broadway, je vais la trouver où, la Broadway? La Broadway. La Broadway. En vrai, c'est quoi la Broadway? La Broadway, elle est ouf. De ouf. Bah, c'est la première fois qu'elle voit pas tout. Sport classique. C'est la première fois que je vous vois d'ailleurs. C'est bien la première fois que je vous vois ici. Je suis là depuis le mois de mars, moi. Ah oui. Ah ben oui, parce que j'ai vu Monsieur Leroy, puis j'ai vu Monsieur, je sais pas comment il s'appelle, qui cherchait à parler aux voitures en face là hier. Voilà. Ah non, mais celle-là. Ah non, c'est pas vraiment la même que j'ai, dis donc. Ah oui, parce que j'ai à peu près la même, mais avec 4 places. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Comme vous dites. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. Ça, c'est la Broadway. Ça, c'est la Broadway. Alors, bon. Alors, on retient la Broadway. La Broadway, elle a 125 300. Ouais. Oui. Alors, moi, je vais juste noter pour pouvoir retrouver. Ben oui, oui, oui. Qu'est-ce que je vais avoir dans les je sais pas. Compacts, est-ce que j'en ai une qui fait vintage ouais, la ouais. Bios au V2. Par contre, quand on regarde le derrière, il est pas... Ça fait bizarre, quoi. Hein. Ouais. La Wheelville Compact. Ah là, la Wheelville. La Wheelville, c'est ça. Ah ben je l'ai, celle-là. Moi, c'est une Boubile. Ok. Ouais, moi, c'est la Boubile. Ouais. Donc, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, la Glendale. Oui, bah, c'est à peu près la même que j'avais, oui. Bon, après, il faut savoir. Alors, un site. Bah, moi, je pense qu'on va rester sur. Oui, j'ai. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. La tulipe était pas mal. La tulipe. Oui, j'aimais bien la tulipe. Ça changeait un petit peu. Oui. Monsieur la tulipe, elle est où? Elle est là. Ça va être bien. Oui, bah, il attendra. Ah bah oui, oui, oui. Il n'y en a pas pour longtemps, hein, vous inquiétez pas. Il n'y en a pas pour longtemps. Pas hein. Souci, y a pas de souci. Ah, voilà, ouais, très bien, très bien, très bien. Alors, du coup, la polype, la polype. J'ai cette tulipe-là, ou j'ai celle-là. Non, j'aime bien celle-là, parce qu'elle est un peu plus carrée, et puis le clignotant est bien à droite et bien à gauche. Donc celle-là, elle est à 67 600. Oui. Voilà. Bon, ben on y va pour ça. Attendez, je vérifie juste. Vélos. C'est combien sur moi? On me compte, c'est bon, il y a 100 000. Sport classique, super, 80. Super. Off-road, muscle. Et je vous avais parlé de la tulipe. Oui, la tulipe. Ouais, c'est ça. Bon. On part sur ça? Impeccable. Allez. Allez. Go comptoir. Go comptoir, go comptoir, allez. La tulipe V2, ça marche. Ah oui, oui, on marche, on marche. Ça va, il n'y a pas trop loin à faire, donc ça va. Allez, allez, je vous donne mon ticket, 1580, il est là. Je vous le pose sur le comptoir, hein, voilà. Ouais, alors attendez. Vous voulez ma carte d'identité, peut-être? Oui. Monsieur Patou. Lucien. Voilà. Ok, alors. On a dit la tulipe. Oui. Ah oh, putain, c'est laquelle celle-là? Ah, la V2, que t'as dit. Celle-là. Ouais, c'est la M100, c'est ça. Ah bon? Ouais, elle s'appelle Tulip M100, mais dans la base de données, on la trouvera sous le nom de Tulip 2. Oh oui, alors ça, c'est de l'informatique. Moi, j'y connais rien. Oh lolo, faut pas me. Même oui. Nous, ça, ça nous gonfle. Ah oui. Ah bon? Donc, du coup, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Alors, oui. 67 800, est-ce que vous travaillez quelque part, monsieur? À l'hôtel, juste en face, enfin pas loin, à côté. Mais j'ai pas de tarif préférentiel avec l'usurie de la voiture. Oui. Vous avez des bons concesses? Oui, j'en ai un à droite, à gauche, mais je sais pas où ils sont dans les boîtes à gants, je sais pas où. D'accord. Tant pis, c'est pas grave, la prochaine fois. Donc,
Je vous fais la facture. Je vous en prie. 67 800, votre ouais. RIB. Je vous ai mis le ticket. Oui, je vous avais donné le ticket là. Tenez. Eh bien, je vous signe ça. Nickel. Hop, yeah. Ensuite, je sors ça. La je vous en prie. Oui. C'est pas mal. Alors. Oui. Et BG 1562. Eh BG, c'est pas un beau garçon? C'est déjà beau gosse. Eh oui, bah oui. À mon âge, j'ai 56 à l'envers, hein, je reste encore un peu BG. Alors c'est bon, la voiture est sortie, vous la trouverez au niveau du garage, juste derrière, au niveau des deux portes. Très bien, je signe là-dessus ou c'est bon, c'est fini? C'est hop. Tout bon, c'est ah. Tout bon. Très bien. Bon, ben merci beaucoup, en tout cas de votre accueil. Oui. Et puis ben, je reviendrai pour l'autre. On verra après, quoi. Hein. La coquette? Ouais. La coquette, ouais. La coquette, j'aime beaucoup. La coquette, combien il fallait sortir déjà? 60 000? 66 000, un truc comme ça? Alors, 70 000? Ça, c'est la coquette Blackfin, elle est à 66 000. Ouais, bon, moi j'essaierai de trouver ce qu'il me faut. Hein. Bon. Merci beaucoup. Belle journée. Pas de soucis. Bonne merci journée. Également. Oui. Au revoir. Au revoir. Aimable. Ah, ben elle est rouge. Ah, comme par hasard, elle est rouge. Ma couleur. Un peu comme. Aïe! Ah. Oh, mais je connais le monsieur. Oui, bonjour. Monsieur, mais vous êtes le monsieur qui a déposé des oh, fleurs mais la dernière fois. Vous êtes monsieur Patou. Oui. Patou. Oui. Vous connais? Je... Ben oui, je vous ai emmené avec mon taxi, mon vieux taxi. Ah oui, ah, oui, oui. Comment oui. Vous allez? Oui, ça va. Je viens juste d'acheter une voiture. Ah, ça y est? Oui. Alors, est-ce que je vous ai déposé au gouvernement? Vous avez oui. Fini par râler? Oui, j'ai râlé, mais du coup, ils m'ont redonné mes papiers. Et donc, ah, j'avais oui. Bien mon permis. Oui, j'avais ah, bien voilà. Mon permis, le camion, la voiture et la moto. Bonsoir. Ah, c'est cool. Je vous présente oui. Monsieur Patou, il est super oui. Gentil. Ah, il est incroyable. Oui. Après, il est en train de poser des fleurs. Pourquoi c'est Monsieur Patou. Patou. Ah oui. C'est pas Monsieur Patou, c'est Monsieur Patou. Oui. Patou, non, c'était Patou. C'était nul, c'était nul. Oui. C'est Patou. Oui, Patou. Non, mais c'est pas tout, paix à tout. Oui, oui, pas tout, paix à tout. Parce que sinon, À qui qu'il faut que je dise ça, que c'était nul? Je sais pas, je crois qu'il est là, avec les cheveux longs blancs. Bon, bah alors c'était nul. Bon, qu'est-ce que vous faites avec ça? Oulalala, oulalala, vite, on appelle la police, moi j'appelle la police. La police, à secours, attention, excusez-nous, là, mais la police, il nous a sorti quelque chose, mon Dieu, c'est pas possible, attention. À l'aide, appelez la police. C'est un jouet, c'est un nerf, c'est un nerf. Oh, c'est pas un vrai, c'est un nerf. C'est un nerf. Qu'est-ce qu'il a avec son nerf? Vous voulez essayer? Oui, vas-y, Den. Non. Il va faire un carnage. Eh, c'est un nerf, mais faut pas nous tirer dessus. Hein. Hein, qu'est-ce que vous faites avec ça, là? Ah, mais j'ai donné ça aux enfants. J'en ai plusieurs. On va pas le donner aux enfants, ça. Pourquoi? Bah si, attends, faut qu'ils s'amusent. Il y a la police là-bas, il y a la police là-bas. Ah, ah. Bon, alors c'est attendez, faut que je sorte ma pupille. J'allais devoir votre nouvelle voiture, monsieur. Oui. Alors. Renommée. Donc c'est là. Hop. C'est la pupille. Pupille. Hop. La pupille. Vous y arrivez? Oui. Ah, allez là-bas. Vous avez beaucoup de voitures, vous. Oui. C'est voilà. Une belle voiture, ça. Oui, c'est la pas pupille. Mal,
Oui. Il y a le clignotant à droite et il y a le clignotant à gauche. Ils sont bien sur les côtés. Parce que maintenant, ils mettent les clignotants sur les rétros. Faut être con quand même. Bah, franchement, ah bah oui, t'imagines. Tu regardes dans ton rétro, ça clignote dans ta goule. Je ne sais pas si je l'essaye, monsieur Patou. Non, Patou. Non, bah non. Elle est juste sortie du garage. Donc attends, faut qu'elle fasse son rodage avant. Mais pas que je la teste. Pourquoi faire? Bah, pour savoir si je vous dis si elle marche bien. Ouais, bah non. Imaginez, monsieur Patou. J'ai pas envie parce qu'il y en a un qui m'a piqué la voiture. Il y en a un qui m'a piqué la voiture hier. Non, il vous la piquera pas, lui, sinon je le retrouve. Non, parce que sinon, il va avoir des problèmes avec nous s'il a... Ah oui. Attention. Oui, oui, ça, vous inquiétez pas. Attention. C'est quoi ce camion, là? Ah, il était déjà là. Ah oui. C'est pas qui c'est. Ah merde. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui, c'est Easy? Fais gaffe, un camion comme ça. Tu veux quoi? Pourquoi? Tu me parles. Oui, il est moche, c'est tout. Il est moche, mais on voit pas à l'intérieur. Hein. Oui, d'accord. Bah, enfin, justement, faut casser les vitres, peut-être. Ah, bonne idée. Allez, casser les vitres. Attends. Ah non, ah, non c'est bon, pas le mien. Il y a personne. Parce que j'en ai vu des gamins comme ça à la sortie de l'école, je peux vous dire que. Ah oui. C'est pas Jojo. Hein. Ah merde. Il s'appelait Jojo. Non. Et, ah. Les personnes qui étaient dedans, c'était pas joli. Ah oui. Pas Jojo. Cousin, fallait pas reprendre le numéro de l'AME. Bon. Et je suis sûr que ça vous ira bien, un gamin comme ça. Je sais pas. J'ai mon camping-car. Dans le camping-car, hein, ça c'est bien aussi pour les balades. Oui, c'est bien, oui, j'ai mon camping-car. C'est la dame là-bas, vous voyez la dame contre le poteau? Elle a sorti un camping-car et elle veut faire un truc de camping-car. Ah oui. Elle doit s'y connaître. Mais non, moi je dois créer une association, le Patoucar, pour une association de camping-car et ensuite faire des tournées à droite et à gauche, faire tout le tour. Ouais. Oui, oh bah faire du camping, faire un feu de camp. Et... J'ai demandé à la police. J'ai demandé à la police si on pouvait faire des feux de camp. Ils m'ont dit oui. Ah mais vous avez une adhérente là, c'est sûr. Ah oui. La fois, elle est en train de se pavaner avec son camping-car. Elle m'a dit qu'elle voulait partir. Ah bon. Attendez, je vais lui en parler. Ah bon. Monsieur Patou, c'est Patoucar vraiment pour faire des balades en camping-car ou c'est pour inviter des jolies filles dans votre camping-car? Non, j'ai déjà l'hôtel pour ça. Non, comment dire, c'est pour faire le patoucar, c'est pour faire, évidemment, faire circuler tous les camping-cars et puis faire un petit tour à droite à gauche, bon appétit, et puis voilà, quoi, du coup, oui. Bon, bah, elle aime plus le camping. Ah bon? Ah non. Ah bah, purée. Les gens, vous savez, ils changent de vie assez rapidement. Ah oui. Ah merde. Ah, c'est dommage. Ah oui. Bonjour. Ah, celle-là. Oui, ben là. Et vous créez ça quand, monsieur Patou? Je sais pas, faut que je vois avec, comment dire, peut-être les... Faut que je me renseigne auprès de la police. Je vais les faire chier un petit peu. Oui. Ah, vous avez raison, faut bien qu'ils bossent, hein, c'est chaud. Ah, ben oui, faut qu'ils bossent un peu quand même. Parce que la dernière fois que quand ils ont bossé, eh ben, je m'étais fait agresser par une dame et puis qu'ils avaient rien fait. Donc je vais quand même les faire bosser un petit peu plus. Vous avez raison. Oui. C'est des feignants. Oui, faites de temps en temps, hein, après, ça dépend. Ça dépend lesquels, en fait. Ça dépend lesquels. C'est surtout ça, d'Algérie. Il y a des bons et des mauvais partout. Voilà. Exactement. C'est ça. Enfin, c'est souvent les mêmes. Monsieur Patou, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes une personne âgée gentille. Mais il y en a, ils sont très cons. Je suis pas si âgé que ça. J'ai 56 à l'envers. Attention. Oh lolo. 56 à l'envers. L'eau finit avec sa voiture. Là, t'as pas fini de passer avec ta voiture, là? Bon, alors, oui. Bon, je vais aller là-bas. Oui. Papy? Oui. Quoi? Il y en a deux, papy. Non, le papy, c'est lui. Le papy, c'est son surnom à lui. Ah oui. Ancêtre. Ah oui. Pardon. Voilà, pourquoi tu lui manques de respect? Dis pardon. Excuse-moi, monsieur, pas Patou. Oui, Patou. Bon. Je vous laisse dans vos affaires. Allez hop, moi j'ai du boulot. Bon courage, monsieur Patou. Oui, merci. Tenez-nous au courant, monsieur Patou, pour le patoucar. Oui, ah ben oui, justement, je vais aller me renseigner. Ben oui, faire un tour de camping-car. Hop. Ah oui. Avec plusieurs camping-cars. Allez, au revoir, monsieur Patou. Oui, au revoir. Au revoir, monsieur Patou, au plaisir. Oui, au plaisir, oui. Alors, on y va. Au revoir, monsieur Patou. Ah, mais qu'est-ce que... Allez. Franchement, il fait chier avec son camion, là, hein. Ah. Mais il y a des grosses roues à l'arrière de cette voiture. Ah. Waouh. Voilà. Wow, nom de Dieu, la chasse de côté gauche et côté arrière. C'est quoi cette voiture là? Hop là. Hop. Hop. Oulala.
Wow. Oh là. Et hop là. Je maîtrise. Et Frama. Ah. Il était presque. C'est une drifteuse. Ouais, bah justement. Ok, il apprend à drifter, Patou. Alors, les pélisses. Bon, moi je vais dodo, bon stream. Des bisous, Greluche. Oui, Greluche. Oui. Oui. Hop. Hop. Ouais. Moi aussi, hein. Voilà, moi aussi, hein, je peux faire pareil, hein. Voilà. Bon, c'est pas pareil, mais voilà. Ah, me l'a pété aussi, hein. Ah, il y a du monde au magasin. Alors. Tu me dis quoi? Ouais. Ouais. Quoi? Ouais, tu me dis quoi? Quoi, il y a un problème, là? Non, tu me dis quoi? C'est par pure curiosité. De curiosité de quoi? Tu m'as dit quoi, tout à l'heure? Quand t'as fait des... Ah ben, fallait écouter, il fallait ouvrir ta fenêtre, hein. Je veux pas répéter, hein. Quand je faisais mes deux notes, tu me disais quoi? Quoi? Attends, j'ouvre ma fenêtre. Oui, ouvre ta fenêtre, là. Oh, c'est pas vrai. C'est un endroit pour s'arrêter. Oui, dis-moi. Voilà, alors. Oui. Tu m'as dit quoi? Je t'ai pas entendu, j'avais pas la fenêtre. Moi aussi, je peux drifter, mais il fallait ouvrir ta fenêtre à ce moment-là, parce que j'ai fait du drift. Oui, bah oui, voilà. Vas-y, fais du drift un peu. Non, là, j'ai un rendez-vous avec la police. Ah, ça marche. Oui, bah oui, je marche. Je suis à côté. Non, mais ça marche. Oui. Ça marche. Oui, bah oui. Hop. Voilà. Allez. Moi aussi, hein, je suis drifté. Hop. Voilà. Je te les envoyer bouler, moi, tu vois. Patientons. Bonjour. Oui, bonjour. Renseigner, monsieur. Oui, bon, vous pouvez. Enfin, ça dépend. Je voulais savoir, est-ce qu'il faut faire, comment dire, une demande auprès du gouvernement ou de quoi que ce soit pour créer une association de camping-cars? Je crois bien, monsieur. Je crois qu'il faut aller voir directement les gouverneurs pour tout ça, parce que nous, on fait pas tout ça de création ou de reprise ou je ne sais quoi. Hein? Mais je veux pas faire de reprise. Hmm? Je veux pas faire des reprises. Ah non, je disais juste, si vous voulez faire soit une création, une reprise ou autre, il faut aller voir directement le gouverneur, monsieur. Ah oui. Oui, parce que je veux pas faire de reprise. Non, c'est pour une association. Oui. Voilà. Donc, faut que j'aille voir le gouverneur, c'est ça? C'est ça, monsieur. Vous savez s'il est là ou pas? Je pourrais pas vous dire, monsieur. Ah oui, vous pouvez pas trop m'enseigner, quoi, du coup. Bon, mais tant pis, alors. C'est pas grave. Bon, mais merci beaucoup. Désolé de vous avoir dérangé, monsieur l'agent. Vous avez quel numéro, monsieur l'agent? 123. 123, parce que maintenant, je sais qu'il faut demander, parce qu'on ne sait jamais. Parce que la dernière fois, je m'étais fait comment agresser, puis qu'un de la police, il n'avait rien fait, et puis du coup, il faut que je mémorise les numéros. Alors, c'est pas très cool, ça. Ah, ben non, c'est pas cool, c'est pour ça que maintenant, je vous demande, enfin, si vous êtes évidemment, oui, voilà. Oui, bon, du coup, j'ai pas l'information, je vais aller voir le gouverneur, parce que j'avais déjà demandé au gouverneur, je sais pas si c'était vraiment lui, mais j'avais demandé pour postuler de gouverneur, mais il m'avait dit que c'était pas vraiment ça, alors, ben... Voilà, donc je vais voir si je peux créer en attendant une petite association de camping-car. Oui. Oui, pas de souci, monsieur. Oui, je vous en prie. Merci encore. Hein. Merci. Hein. Oui, je vous en prie. Au revoir. Oui, au revoir. Faites attention à vous sur la route, hein, monsieur. Oui. Merci.
je maîtrise. Et oui. Je fais ma petite flamme là en même temps. Jolie voiture. Coucou Patoun. Hey yayo, papi patou. Papi patou. Coucou. Hop. Voilà. Allez, j'y vais. Marche avant. Waouh. Waouh. Ça va, ma voiture a rien. Je fais ça devant la police. Bon, basta. Hein. On s'en fout. Hop là, c'est parti, mon kiki. On y va, faut que j'aille mettre de l'essence par contre. Alors, station essence. Oh, ça freine bien ça. Vas-y, j'envoie du steak. Hop, voilà. Alors, une station essence. Ici, je freine. Waouh, ça freine bien ça. Oh merde. Ah non, ça va. Mais il est costaud ta voiture, finalement. Hop. Ça va, Patoun? Je vais me vautrer avec cette voiture, hein. Hop. Alors. Ça va, ça va. Oui, oui, oui. Bon, on va essayer de trouver un job. Lol. Je crois que les recrutements, en fait, ils les font tous, mais c'est pas à cette heure-là que je rêverais de trouver un job. Alors. On voit rien avec ces lumières là. Allez hop. Allez. En route, mauvaise route. C'est parti. On va au côté de la main. Alors, c'est par là. Wow, ça envoie, dis donc. Ah mais ça envoie bien même. Oh là là, ça va trop vite là. Comment que ça freine là? Oh purée. Oh là 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 là. Pas possible ça. Y'a un pneu de merde ça. Oh purée de pommes de terre. Hop. Arrête. Ah, c'est pas ça. Marche avant. Ah, ben dis donc, ça tourne trop. Hop là. Oh là là. J'ai fait ça devant les marches. Dans les Marshall. Je viens de voir. Mort de rire. La voiture qui a trop de patates. Oui, mais j'ai fait ça devant les Marshall. Ça va pas? Monsieur, tout va bien? Ça va pas? Oh. Vous m'entendez, monsieur? S'il vous plaît, aidez-nous! Nous avons quelqu'un par terre! À l'aide! Au secours! Au secours! À l'aide! Nous avons peut-être un mort qui embrasse le sol, le béton, je ne sais pas ce qu'il fait! Au secours! Au secours! À l'aide!
Bonjour monsieur. Oui, bonjour, il y a quelqu'un par terre. Ouais, j'ai un individu dans ma voiture, donc je vais devoir faire vite, je suis désolé. Oui, mais faites vite, faites vite. Ah oui. Ah, le pauvre. Bah mince, il va faire le trottoir, le pauvre. Oh non, faut pas faire ça. Mais parce qu'on a un individu dans la voiture, monsieur. Ah, ah bah oui. SMS, monsieur, déjà. Non, je sais pas appeler parce que je sais pas comment ça marche déjà, je sais plus. Je vous appelle. Oui. Je vais rester à côté de lui le temps que les MNMS arrivent. Ouais, je viens, ça serait gentil. Voilà, je vous en prie. Oui. Parfait. Je vais enlever ma voiture de la route parce qu'on sait jamais, hein, parce que c'est un peu dangereux quand même. Hein. Hop. Hop. En route. C'est parti. Ah, pardon. Hop. Voilà. Mais non, mais je contrôle pas encore cette voiture. Elle tire vers la gauche et vers l'arrière. Je suis désolé, j'ai abîmé peut-être votre cul de la voiture, je parle. Oui. Donc du coup, si vous pouvez attendre, ça serait génial. Oui, je vais attendre. Je suis un bon citoyen, oui. Je vous remercie. Je vous en prie. Encore désolé pour votre derrière, hein, vraiment, désolé. Ah oui. Vous inquiétez pas, monsieur, on va s'occuper de vous. Ah, mon pauvre, si je peux vous raconter une histoire, je pourrais vous raconter, comme ça vous arriverez toujours, on sait jamais. Il est là. Où? Il est là. Ah. Il est blessé. Il va pas bien. Je vais le chercher de base, mais c'est pas... Ah oui, ben il est là, hein. Je sais pas, il est en train de caresser la plaque d'égout juste en face, là, qui était au plein milieu du carrefour, et puis il y a la police qui est arrivée, et à ce moment-là, ils l'ont déposé sur le trottoir pour qu'il fasse le trottoir, et puis du coup, j'ai attendu pour que vous veniez. Parce qu'ils ont appelé les MNMS. Oui. T'as vu au téléphone, monsieur, hier, oui. Hein? Ben je sais pas, c'est monsieur Patou. Oui, ben sinon, c'est appelé. Oui. Eh ben vous voyez, comme quoi, hein? Alors, vous me parlez de motivation, hein, c'est pas le moment de m'en parler de la motivation, hein, je reste un citoyen. Oula, tout. Oui. Merci, papy. Oui, ben je t'en prie, ça va bien, tu vas bien, ça va, t'as pas trop la gueule du béton, ça va. Ah, bah si, hein, j'ai mangé le sol, là, j'ai pas tout. Tu vois comment, tu vois quel nombre de doigts que tu vois, là, tu vois sur ma main, j'ai combien de doigts, là, dis-le. Un. Non, il y a plus que ça, il y a plus qu'un doigt, dis donc, vraiment, j'aurais une main coupée. Oui, t'es ça, ah bon, ça, voilà, tu me rassures, tu vois, voilà. Bon, il va mieux, enfin, pas mieux, mais bon, après, vous êtes médecin, hein. Oui, voilà, prenez les suites, je vous en prie, oui, je vous en prie. Encore merci, papy. Oui, je t'en prie. Comment? Vous avez glissé, c'est ça? Ouais, j'ai glissé. D'une moto, d'un... Ouais, d'une moto, ouais. Okay. Ah, bah, je suis désolé. Oh, pas du tout, je vais pas vous mentir que je regarde pas. C'est une perte de mémoire, faut opérer le cerveau, faut ouvrir le cerveau. Il a une perte de mémoire, enfin, oui. Monsieur, si je voulais vraiment faire partie de ça, c'est vrai qu'il y a une session de recrutement, c'est demain, il me semble. Ah oui, bah demain, je sais pas, hein. Et puis je dois donner un CV ou je sais pas quoi, j'ai pas de CV, enfin bon, blablabla. Occupez-vous de monsieur, il faut peut-être l'opérer du cerveau, ou alors peut-être l'oreille. Oui. C'est peut-être une histoire d'oreille, je sais pas. Elle est sur une échelle de 20. Oh, je suis sûr qu'au moins elle est à 200. Ah oui, ah non, ah merde. pas tout, mais ça. Vous arrivez à vous relever déjà. Oui. Doucement. Oh là là. Oh là là. Vous avez pas de vertige, on sait jamais, hein? Non, ça va en vrai. Je suis un bonhomme. Ah ouais. Des égratignures sur votre moi aussi, je suis un BG. Vous voyez, sur ma plaque de voiture, c'est écrit BG. Un peu sur le dos, effectivement. Je crois. Oui. Y a pas de soucis. Allez-y. Désinfecte. Ah là là, mon pauvre. Merci à papy. Ah oui, pas tout. Ça me va. Oui. Eh oui. Voilà, dossier dans le dos. Ben, je dois aller au gouvernement là, j'ai un rendez-vous. Ah, c'est pour ça que t'es bien habillé. Non, c'est que j'ai déjà postulé pour être gouverneur, mais il faut attendre. Et puis, je postule un peu à droite à gauche, mais il faut toujours attendre. Alors, ça commence à me casser les bonbons. Ouais. Bon, allez, je vous laisse du coup. Voilà. Allez. Ça marche. D'accord. Bonne journée. Oui. Hop. Alors, comment que ça marche? Hop. Marche avant. C'est parti, on y va! Salut Jonathan. Hop, purée. Bonsoir le peuple. Oui. 2 minutes du peuple. Alors, les gouvernements, c'est où déjà? C'est par là. Hop, purée, mais c'est quoi cette voiture? Ça va trop vite. Ça va. Hop là.
Alors. Hop. Quoi? Ah. Ah! T'es où le gouvernement? Ah, je sais plus. Ah, c'est par là. Hop là! Je maîtrise, je maîtrise! Hop là, c'est parti. Voilà, une place, une place, une place. J'aime bien me mettre à l'avant. Hop, attention! Hop. Et voilà. C'est une ville Mercedes, ça? Je sais pas. C'est une tulipe. Ça va bien? Tout se passe bien pour vous? Bah, c'est mon collègue, là, je sais pas ce qui lui est arrivé. Ah, ben mince, il embrasse le trottoir. Ça va aller, vous voulez qu'on appelle les médecins? Ah, on a essayé d'appeler le médecin, mais je crois qu'il... Ah oui, mais je viens d'en voir un là, parce qu'il y avait une autre personne qui était en train d'embrasser le trottoir, mais cette fois-ci, c'était la plaque d'égout en plein milieu du carrefour. Donc, du coup, la police, elle l'a déplacé, puis moi, j'ai attendu le médecin. Donc, on peut faire la même chose, hein, on peut appeler un médecin, oui. Ouais, ouais. Bah, j'ai essayé d'appeler un médecin, mais il n'y a personne oui. qui vient. Ah merde. C'est fort de café, quand même. Bah ouais, ouais, ouais. Ah oui. Comment? Non, mais il nous entend pas. J'essaie de parler avec lui depuis tout à l'heure, mais... Ah oui, oh, le pauvre. Ça va pas, mon petit monsieur? Ah là 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 là. Tu ouvres ta bouche? Ben oui, il ouvre sa bouche, pourquoi? Oui. Oui. Il faudrait peut-être aller voir un médecin, vous aussi, hein, aussi. Ta bouche. Oui, il l'a déjà ouvert, monsieur. Tu veux que je t'ouvre mon cul aussi? Oui, oui, bah, alors ça, il l'a pas demandé, hein. Ah oui, oh lolo, mon pauvre. Il y a des gens bizarres. Ah, mais d'accord. Ah. Ouais, il est chelou le mec. Ouais, il est chelou complètement. Ouais, ouais, ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec votre ami? Ah bah oui, on attend. Ah. Ouais. Attendez, j'ai peut-être le numéro de Pichika. Alors, Pichika. Oh, j'ai eu plein d'appels, dis donc. Alors, faut appuyer sur ça. Pichika. Hop. J'appelle, on sait jamais. Ah bah, si vous avez des contacts, moi je vous l'en bien. Hein. Ah bah oui, oui, oui. Ah bah oui, ah oui. Allô, allô, répondez. Oh. Qu'est-ce qui se passe, hein? Ah, token de machin, faut laisser un message. Ah, tais-toi le téléphone. Oh. Bon, je peux pas laisser de message. Café quand même. Ouais, c'est relou. Hein. Ah oui, c'est relou. En plus, après, faut savoir écrire. Hein. Moi, je ne peux pas écrire des messages. Ah bon? Ah bah, ça, c'est un peu merdant. Ah oui. Ah ouais, c'est un peu emmerdant. Ah. Alors, attendez. Hop. Alors, je crois qu'il y a un petit truc sur le service, blablabla, blablabla, bla, il faut appeler, voilà, oh là là, faut faire plein de choses là. Uf. Voilà. Monsieur. Bonsoir monsieur, il se passe quoi? Oui, bonsoir. Il est moulot l'autre par terre là. Oui, et on essaie d'avoir des MNMS, et puis ben, ça répond pas. Et pourtant, j'en ai vu tout à l'heure. Oui. Eh ben. Oui. Quelle histoire? Ben, non, c'est qu'un début d'histoire. Hein, attention. Ce n'est pas toute l'histoire. Ah sachant ouais, c'est que. C'est quoi toute l'histoire? Bon, je pense qu'il faudrait peut-être vous garer sur le côté, parce qu'il y en a pour longtemps quand même. Comment? C'est à vous les motocross? Je sais pas. Ils arrivent en arrière, mon cousin. Ah oui. Ah, ils sont belles, hein? Ah oui. Oui, oui, ouais, enfin, je sais pas. Je sais pas, c'est à qui les motos, là, les motocyclettes, là? Bah, je sais pas, je suis arrivé, elles étaient déjà là. Ah, elles étaient déjà là. Oui. Bon, bah, bon courage à votre soirée. Ah voilà, oui, bah, oui. Soirée, bah oui, 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 hein. Ah oui, 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 c'est ça, oui. Oui, oui, oui. Vive le soutien, hein. Ah bah dis donc, ça ouais, soutient ouais. Beaucoup, hein. Ils auraient pu le foutre dans le coffre quand il y avait de la place, hein. Oui, et puis le mettre, comment dire, à le MNMS. C'est ça, hein. Ah bah oui.
Mais remarquez, j'ai ma voiture. Ah, mais il rentrera pas dedans. Si. Ah, merde. Ou alors, vous le portez et puis on va l'emmener. Non, j'avais pas fait de muscu depuis longtemps. Moi, je sais pas, je vais réussir à le porter. Regardez, ah il, ouais. Il a l'air gros quand même. Ah oui, c'est vrai qu'il est gros quand même. Est-ce qu'il sent bon au moins? Ah, je crois bon. Hein. Ah oui, ah ouais, non, on va pas se dire, la voiture est toute neuve en plus. Merde. Regardez, il s'est pissé dessus en plus. Ah non, bah non, j'espère pas quand même que. Oh là là, le pauvre. Oh là 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 là. Je sais pas chier dessus parce que ça va être merde. Hein. Ah bah oui, mais oui, c'est le cas de le dire, oui. C'est ça. Ah bah oui. Ah, alors bon, bah du coup, c'est un peu ennuyant là, cette histoire là. Ah, très ennuyant même. Hein. Je sais pas comment faire. Ah bah alors, je sais pas comment faire non plus là. Hop. À l'aide. Après, j'ai pensé à l'acheter une scie et le découper, mais. De quoi vous, attendez, je suis en train de faire un appel ou je sais pas quoi, vous me parlez de scie, de quoi? Ouais, je voulais prendre une scie, le découper, puis le foutre dans un camion comme ça, au recyclage direct. Ah oui, bah oui, vous allez recycler votre ami. Bon, non, il est peut-être inconscient là, il est juste inconscient. On est écologique, moi. Ah oui, bah oui, c'est sûr. Oui. Ah, lui, il mange des plantes tout le temps, il ne veut pas manger d'œufs. Hein. Ah. Oui. Pas un paysan. Ah oui. Ah, c'est pour ça, d'un coup, il a fait un malaise, là, c'est sûr. Ah marché, oui. Boum. Ah oui. Ah oui. Bon, ça répond pas. Vraiment désolé. Ah. Bon, ben, je sais pas comment faire. Je vais aller voir s'il y a un médecin. C'est jamais. Ouais, on sait jamais. Allez, va aller voir. Vieille, désolé, oui, t'inquiète, Jonathan. Alors. Ah, faut faire le tour. Alors, les médecins. C'est par là. Hop. Hop. Hop là. Oh là 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 là. Alors, et là, ah, on va appeler l'ambulance. Ils vont revenir. Ah. Ils vont pas au bon endroit. Mince, ils vont ailleurs. Merde. Bon, on va aller de l'autre côté. On va voir s'il y a un autre médecin. Ça manque cruellement de médecins. Hein. Alors, ils sont nés à gauche. Donc c'est à gauche. Ensuite, c'est par où? C'est par là. Après, on y va. Hop. C'est pas par là. Hop. Ensuite, à gauche. Hop. Ah, non, je suis en contresens. Merde. Hop. C'est ici. Là. Voilà. Mais qu'est-ce que tu as? T'as l'air triste. Pas possible, c'est pas possible, pas possible. Vraiment, c'est pas possible. J'ai l'impression. Ah bah oui, mettez une moto carrément en plein milieu. Ah bah c'est un endroit de mettre une moto. Vraiment. Excusez-moi. Bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Bonsoir. Oui, j'ai essayé d'appeler les médecins. Il y a un gars qui est tout par terre à côté du gouvernement. J'étais là-bas, donc je viens vous chercher parce que j'arrive pas avec ce téléphone de merde. Désolé, on peut pas trop se déplacer. Ah bon? En fait, jusqu'à 2h du matin, on n'intervient pas sur les appels de service. Ah d'accord. Donc on laisse mourir les gens.
Non, là on a surtout une fusillade en plus. Où ça? Près de la marina. Ah, alors là, je sais pas ce que c'est. Par contre, vous avez une moto qui file, hein, devant. Oui, on a déjà appelé pour qu'ils viennent l'enlever, mais... Ah oui. Du coup, il est où exactement, votre gars? Eh ben, il est au gouvernement. Allons, sur le trottoir. Et le pauvre gars, on va pas le mettre dans le coffre de ma voiture, il est tout dégueulasse, le gars. Est-ce qu'il a fait est-ce que son beeper a fait un appel de... Oui, ils ont fait un appel et tout ça, oui. C'est que normalement, il y a peut-être un gars qui se rend dessus. Ah oui, bon ben je retourne là-bas puis je vais les rassurer ouais. Alors. Hein. Bon, merci. Bonsoir. Et là, ça sera pour une petite... Ouais, quand même, c'est fort de café quand même. Non, mais c'est fort de café quand même. Pas possible. Ben. Alors. On retourne là-bas. Alors, on route par là. On route par là. Bon, eh ben mon pauvre. Alors. C'est pas par là. C'est où le gouvernement? Merde, à chaque fois je me trompe. Alors, c'est pas là non plus. Ah, je crois que c'est pas là. Hop. Attention, je passe. Hop là. Ah. Bon, bah tant mieux alors. Bon, du coup, j'étais parti voir le gouvernement. Alors, on y va. Bon, on y va. On va aller voir le gouvernement. Oula. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Oui, ça va. Ça avait l'air en colère. Non, mais c'est que je veux rendre service à droite à gauche et puis que des personnes sont parties. Alors j'ai été quand même jusqu'à l'hôpital voir un médecin pour faire venir un médecin pour qu'il vienne le et puis le médecaniser et puis il est parti. Alors, bon. Oh. Je voulais voir quelqu'un du gouvernement si c'était possible. C'est pourquoi, monsieur? Vous êtes du gouvernement? Ah oui. Oh là là, dis donc. Sacré fort. Oui, je peux vous aider, monsieur? Oui, vous êtes du gouvernement? Oui, je suis du gouvernement. Du pas l'événementiel, mais je peux quand même vous renseigner si jamais. Ah, l'événementiel? Oui.
Ah, ben ça tombe bien, que ça soit vous. Ah bah. Impeccable. Est-ce qu'on peut se voir? Je vais pas en discuter ici, là, en plein d'entrée. Là, c'est quand même... Parce que j'ai pas les autres, ils me répondent pas pour le moment. Bah, très bien. Bah, je vais venir, monsieur. Je peux passer, monsieur, passez moi. Vas-y. Ah, merci. Allez-y, monsieur. Oui. Vous avez pas d'armes et tout, c'est tout bon, 14? Ah, écoute, il s'est dit que t'en occupais, j'étais même pas encore. De quoi? C'est sûr, c'est pas moi. De quoi? Donc, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, donc, vous êtes. Je suis l'agent de sécurité. Ah, enchanté alors. Et ça se passe bien? Ça, vous bossez bien? Oh, oui. Oui, bon, bah, très bien. Alors, est-ce que vous possédez une arme quelconque sur vous? De quoi? Est-ce que vous possédez une arme quelconque sur vous? Non, j'ai rien, mis à part mon sonaton et mon pacemaker, mais c'est tout. Est-ce que je peux... Oui. Est-ce que ça vous dérange si je vous fais une petite fouille pour m'assurer de ça? Mais je vous en prie, fouillez-moi. D'accord. Allez-y. Oui, je vais lever les bras. Vous voulez que j'enlève ma veste ou mon pantalon? Peut-être quelque chose? On ne sait jamais. Oh, attention, vous me chatouillez là. Oh, attention. Attention. S'il vous plaît. Ah, oh, par l'arrière maintenant. Oh, bah alors allons-y. Alors, hop. Je lève pour mieux que ça passe. Comment ça se passe hein? Ah, vous me chatouillez, arrêtez, vous me chatouillez là, arrêtez vos conneries. Ah. Voilà, c'est oui. Bon pour moi. Ah, bah oui, c'est bon pour vous en tout cas, oui, j'ai bien l'impression, j'ai bien le sentiment, enfin sans vous manquer de respect, que oui, ça m'a bien haché en tout cas. J'ai lui offrir une seconde jeunesse là. Ah oui, ouais, oui. Pas bien. Oui. C'est, vous voulez qu'on en discute dans un bureau? Oui, ce sera mieux. Dans un hall, bah non, pas dans un couloir, non. Non, on va pas discuter dans un couloir, quand même. C'est quand même fort de café, quand même, oui. Bah écoutez, on est toute la journée dans les bureaux des fois. Oui. Merci. Alors. Oh, dis donc, c'est charmant ici. Bon, choisissez, vous voulez. Où ça? Oh, bah, peu importe. Je sais pas. Allez, bah, celle-là. Oui. Je sais pas. Il est où le gouverneur là? C'est vous que j'avais eu la dernière fois que je vous ai posé la question? Non, pas vous, hein. Alors, on s'est déjà vu une fois, je crois, de mémoire. C'est ça, vous? Ah oui, pardon. Oui, oui. Ah oui. On va se mettre ici, on sera bien. Ah oui, bah, très bien. Allez-y, installez-vous. Ah bon, mais bah, si, on s'installe. C'est un peu loin entre nous, mais enfin bon, on était tout proche avec le gars de sécurité, alors. On va s'asseoir à côté, si vous voulez. Voilà. Alors. Oui, parce que j'étais venu la dernière fois pour proposer ma candidature en tant que gouverneur, mais apparemment, c'est pas avant mars, ou je sais pas quoi, il avait pas les dates, enfin, bon, blablabla, qu'il fallait se renseigner auprès du White House. Bon, bref, passons. Ceci dit, en attendant, pour occuper mes journées, hein, évidemment, j'ai investi énormément d'argent dans un camping-car. Et je voulais savoir si je pouvais créer une association de camping-cars pour faire peut-être une tournée avec plusieurs camping-cars et de m'arrêter à certains endroits pour faire des feux de camp à droite et à gauche. Je me suis renseigné auprès de la police si on était possible d'avoir des... Comment dire, on pouvait faire des feux de camp. Ils m'ont dit oui, mais alors avec modération ou je sais pas quoi. Et donc, je voulais savoir si on pouvait créer... Une petite association de patoucar ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les démarches qu'il faut faire? Le patoucar? Le patoucar. Moi, je suis monsieur Patou et donc le car pour camping. Hein, voilà, vous voyez. Ouais, après, on peut trouver un autre nom, hein, il n'y a pas de souci. Hein, mais voilà, c'est... Alors. Oui, je vous écoute. Pour les associations, du coup, c'est pas avec le pôle événementiel qu'il fallait voir, mais c'est avec. Pourtant. Excusez-moi. Pourtant, c'est quand même de l'événementiel, hein. Oui, mais ça reste quand même une vie associative, l'événementiel. Excusez-moi, je mange mon bout de sandwich. Oui, mon sandwich. Si, c'est avec... Vous voulez des petits fours, si vous voulez je peux vous en apporter. Hein. Avec plaisir, parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'ai vraiment faim. J'arrive, je vais vous en apporter. Joshua, il est encore là? Je vais voir. Joshua, t'as 5 minutes? Ce serait plus lui qui pourrait répondre à ça, réellement. C'est les assos. Ouais. La gestion des assos, c'est lui. Mais j'ai des contrats, moi, s'il faut. Ah, ok, bon. L'événementiel, là, avec le bien. Pourtant, c'est de l'événementiel, quand même, hein, pour faire des soirées et tout bien, ça, hein. ça. Ça fait partie de le pôle événementiel, mais la gestion et la création de l'association doit être... Et bonsoir. Validée. Et bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va, et vous? Oui. On s'est déjà vu? Je ne crois pas. Non, je ne crois pas non plus. Oui, je me disais, j'ai dit, mais non. J'ai dû confondre avec quelqu'un d'autre, peut-être. Non. Bah, du coup, je me présente. Je crois que je suis le vice-gouverneur, du coup. Ah, d'accord. Vous avez une vice, alors. Du coup, vous êtes garagiste?
Non, pas du tout. Ah, d'accord. D'accord. Une autre vie, je ne sais pas. Ah, vous savez pas. Ah, il faudrait peut-être consulter dans ce cas-là si vous savez pas. Vous savez, il y a des gens qui donnent l'avenir ou peut-être le passé de votre avenir ou peut-être le passé d'un futur. Enfin, ça va dépendre évidemment de vos attentes, évidemment. Alors, j'ai pas trop de petit four, mais comme j'ai vu, c'était fast-food. Ouh, mais fallait pas, c'est gentil, ah, oh, c'est très agréable. Oh, ben merci beaucoup. Oh, bah, dis donc, je vais venir plus souvent faire des demandes d'association ou de quoi que ce soit, hein, vraiment. Hein. Ça, me faire palper enfin. Par votre agent de sécurité me va bien, mais alors, en plus, bah, donc, je suis reçu avec des petits fours. Bah, posez sur la table, hein, je vous en prie. Oui, ok. Oui, hein, c'est gentil. C'est juste là. Ah, bah oui, mais c'est gentil. Alors, donc, vous pouvez, oui, alors on parlait de création d'associations, si c'était possible, ou du moins, quelles sont les démarches pour faire. Ils m'ont dit, c'est pour occuper mes journées, parce que comme j'avais postulé ici en tant que gouverneur, ou du moins posé ma candidature, on m'a dit qu'il ne fallait pas répondre avant mars et tout ça, ils ne savaient même pas qu'il fallait se renseigner auprès du OneNews, blablabla et blablabla. Bref. Et du coup. Quel serait le but de l'association en question Le but, c'est de faire. Parce que j'ai investi énormément d'argent, énormément dans un camping-car. Hein, et vous savez, c'est beaucoup d'argent pour moi. Et donc, du coup, je voulais savoir s'il était possible, justement, peut-être dans cette association, de faire un petit tour de camping-car avec beaucoup de camping-cars et d'aller sur les plages et de s'arrêter de temps en temps et faire des feux de camp. Je m'étais renseigné auprès de la police pour voir s'il était possible de faire des feux de camp. Ils m'ont dit oui, mais avec modération, attention, blablabla et blablabla. Et donc, voilà. Et puis, peut-être organiser par la ville un événement sportif juste après cette petite promenade de camping-car pour finir ou, comment dire, faire à chaque fois un petit événement ou je ne sais pas. Enfin, cette petite idée à droite à gauche, hein, comme ça. Je ne sais pas comment ça se passe. Et du coup, ce sera un truc plutôt ponctuel ou quelque chose de régulier Peut-être une fois par mois, voilà, le patoucar ou je ne sais quel nom pourrait proposer de faire un tour de camping-car avec à la clé un événement sportif, je ne sais pas moi, dans l'eau ou je ne sais pas, ou quelque chose comme ça. Enfin voilà. Mm-hmm. Eh oui. Après, je suppose qu'évidemment, il faudrait avoir des adhérents et donc à ce moment-là, il faut que je demande aux gens qui dans s'investissent. Tous les cas, si une création d'association est réalisée. Il faudra au minimum du coup 3 personnes dedans, oui. Ne serait-ce que pour tenir le conseil d'administration de l'association. Oui. Pour tout ce qui est statut juridique et même règlement intérieur, vous êtes obligé d'en avoir un. C'est plus simple pour pouvoir gérer tout ça. Oui. Après, oui, c'est possible, je pense, d'en créer une. Bien sûr, il va falloir faire quelques recherches sur votre profil, puisque je ne vous connais pas, je ne sais pas si vous avez un casier judiciaire ou des choses comme ça. Je n'ai pas de casier judiciaire, non, il ne manquera plus que ça maintenant. Je me suis fait arrêter par un shérif et pas une autre police. Un shérif qui m'a quand même osé me dire que je n'avais pas mon permis, qu'alors j'avais mon permis, que je suis revenu ici voir M. Jam, hein, ici au bureau en bas, et il m'a dit bah, « Vous avez bien vos permis ». Et que le shérif de là-bas, du nord là-bas, il m'a dit « Non, vous n'avez pas, donc je vous mets votre caravane ». Justement, j'étais en prospection avec ma caravane, en faire de la publicité, et il m'avait carrément mis ma caravane « Allez hop, à la fourrière, directement ». Alors, heureusement que j'ai négocié évidemment avec lui pour évidemment lui dire bah, « Dis donc, j'ai mes papiers hein. ». Il me dit « Non, je ne sais pas, vous n'êtes pas dans mon fichier, tout ça bah, ». Vous avez qu'à vous accorder avec vos fichiers, hein, c'est tout, s'ils ne sont pas raccord avec la shérif ou les polices concernant leur boîtier, je sais pas quoi, électronique, il faut qu'ils se mettent d'accord. Hein, donc voilà, et du coup, il m'avait mis quand même là-bas. Donc j'ai réussi quand même à négocier qu'il me rembourse quand même la fourrière parce que c'était quand même fort de café. Et puis en plus, il m'avait demandé que je paye un taxi. Je dis, oh, c'est fort de café, j'ai pas de. Non, j'ai pas de sous. Donc il m'a quand même payé le taxi malgré tout. Mais enfin, me dire, à mon âge, quand même, j'ai 30 ans de carrière de recherche dans les laboratoires, et puis qu'on me dise que j'ai pas mon permis, comme c'est fort de café, alors que j'ai quand même mon permis de voiture, mon permis de moto et mon permis de camion. Bon, la moto, j'en fais pas beaucoup, parce que je fais de la moto à 4 roues, mais bon, ça n'a rien à voir. Enfin, voilà. Non, mais je comprends tout à fait. Ah oui. Et du coup, par rapport à votre histoire d'association, vous avez ouvert une demande sur l'internet gouvernemental ou pas du tout? Vous savez, moi, le trou net et tout ça, j'ai du mal avec ça. Ah oui, mais parce qu'il va nous falloir certaines informations par mail pour pouvoir faire toute la réalisation de contrat, on va dire. Oui. Il va nous falloir votre photocopie de pièce d'identité, un nom d'association, ainsi que la thématique du coup le secteur d'activité de l'association. Du coup, vous me dites que ça va être de l'événementiel et plus précisément de l'organisation du coup
de courses de camping-car, c'est ça? Oui, entre autres, oui. Voilà. Du coup, faudrait... enfin, c'est pas vraiment de la course, hein, faut pas déconner, parce qu'on va abîmer les camping-cars. Non, c'est plus une promenade, on va monopoliser quand même un morceau de route, et puis on va faire le tour, enfin, pas un tour complet, parce qu'on fera un car, évidemment, pour ensuite s'arrêter à un endroit pour pouvoir faire l'événement sportif, en clin d'œil du camping-car, et peut-être faire gagner un camping-car, on sait jamais. Oui, mais voilà, du coup, vous nous envoyez du coup, vos informations personnelles, ainsi que bah, le nom de l'association et bah, ce que vous voulez organiser à peu près. Oui. Et on vous rédige du coup un contrat pour une association à but non lucratif. Eh bien, oui. Et ça vous permettra du coup de, bah, d'être en règle au niveau des papiers pour tout ce qui est organisation d'événements. Et on pourra vous aider dans certaines réalisations, par exemple, si vous avez besoin de... de financement pour la publicité ou la création de logo, des choses comme ça. C'est juste pour la publicité, oui, parce que bon, après, je pense que si les personnes sont vraiment investies dans le camping-car, ils vont investir dans leur propre camping-car, ils seront fiers. Hein, donc, c'est juste par rapport à la publicité, c'est tout. De toute façon, pour le prix du camping-car, je pense que ça devrait aller en soi. Ah bah oui, il ne faut pas mettre une fortune non plus. Hein, oui. Non mais voilà, moi en tout cas il n'y a pas de souci, je peux vous faire les papiers tranquillement, il faut juste toutes les informations et ça sera fait. Oui, déjà vous êtes au courant de mon nom dans le sens qu'il y a cette possibilité-là d'avoir un dossier sur votre bureau. Enfin je ne sais pas si c'est votre bureau personnellement ou peut-être le bureau d'une autre personne ou peut-être le bureau de celui qui s'est fait l'événementiel, parce que pour moi c'est de l'événementiel, mais bon après tout dépend évidemment, mais en tout cas vous êtes au courant que M. Patou propose éventuellement une association. Alors peut-être le Patou Car ou je ne sais quoi, il faudra poser la question, j'en sais rien, mais enfin voilà. Après, sinon, vous pouvez aussi vous lier avec des associations qui sont déjà en cours dans le but de l'événementiel. Hein. Oui, mais c'est plus pour organiser en fait le final. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à un événement sportif ou peut-être, je ne sais pas, du jouski ou de la voile ou je ne sais quoi. Enfin, voilà, voilà, dans tous les cas, je trouve ça intéressant dans le sens où ça peut dynamiser un peu la ville. Et tout ce qui est événementiel, moi, je suis toujours pour. Hein, donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Oui, parce qu'en ce moment, franchement, à la corde, c'est vraiment pas terrible. Hein, à chaque fois que j'y vais, c'est toujours fermé. Alors bon, c'est vrai qu'il y a des couches tard, évidemment. Mais enfin bon, il faudrait aussi, de temps en temps, au lieu de faire du fer à repasser ou de savoir maintenir une théière ou une cafetière avec Madame Lacorne, ça va 5 minutes. Bon, ils sont toujours fermés. Ceci dit, j'y peux rien. Hein, voilà. Je croyais que d'ailleurs, il y avait monsieur... non, ils sont plus là. Non. Autre chose. Non, mais c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de monde en ce moment. Oui. Non, mais vous inquiétez pas. En tout cas, vous m'envoyez tout ça. Oui. Et moi, je vous fais la rédaction de contrat avec mes collègues, si possible. Oui. Et comme ça, après, on se revoit pour finaliser tout ça. Oui, ma vie, bien sûr. Alors, je fais comment? J'appuie sur le trou net et puis je fais quoi? Voilà. Intranet, du coup, vous avez dans la partie entreprise, vous avez un lien pour aller direction gouvernement. Ah oui. Une fois que vous êtes sur la partie gouvernement, vous ouvrez une demande avec votre nom, votre pièce d'identité et toutes vos informations du coup par rapport à la création d'association. Oui. Et puis moi je vous renvoie du coup le contrat en format numérique. Mais admettons, ici c'est l'ensemble de plusieurs associations et juste à ce moment-là privilégier le moment festif. Est-ce qu'on sera obligé d'être dans un cadre, associatif ou par le biais de toutes les associations? Admettons, toutes les associations se réunissent à réunir une somme d'argent pour pouvoir, offrir justement le camping-car à gagner dans l'événement sportif. Est-ce qu'à ce moment-là, on est obligé de passer par une association ou alors on passe autrement, on fait autre chose, on fait par un autre dossier ou je ne sais quoi? Vous pouvez passer par l'association. En fait, il y a une clause qui permet de faire gagner des prix pendant des événements. Donc, en soi, vous pouvez utiliser votre association pour faire gagner des véhicules ou... ou même certaines choses en particulier, quoi. Par exemple des jetons, de la nourriture, des princesses, vous donnez un peu ce que vous voulez. D'accord. Bon, mais très bien. Faut juste que ce soit justifié dans votre comptabilité de l'association pour, si jamais vous avez une inspection, pouvoir tout justifier, quoi. Ah oui, parce qu'il faut des inspections. Ah oui. Ah bah oui, oui. Dans tous les cas, dites-vous que forcément, vu que c'est une association à but non lucratif, va avoir des contrôles pour vérifier que l'argent n'est pas détourné pour le bien personnel. Oui, mais pour ça, quand il y a une association, il y a un compte associatif, je suppose. Non. Ah, d'accord. Ah. C'est un peu le problème, vu qu'on ne peut pas vous mettre... comme un badge d'entreprise juste pour l'association. Oui, je comprends. Parce que sinon, certains ne pourraient pas faire leur métier en plus de l'association.
Oui, ah oui, je comprends. Oui, donc du coup, oui, les donc, associations vous êtes se gèrent elles-mêmes. Un entrepôt et du coup tout stocker dans l'entrepôt, oui. Ou alors bah vous dispatchez entre les différentes personnes et dans ce cas-là avoir une belle comptabilité avec qui a quoi et comme ça il y a pas de mauvaise surprise quoi. Ah oui, d'accord, très bien. Bon, mais très bien. Bien. Voilà, j'avais fait comme ça avec mes collègues il y a 2 ans et c'est très bien passé. Ah oui, oui j'imagine. Après, voilà, faut juste pouvoir s'organiser en fonction de. Oui, il faut surtout juste comprendre le principe. Après, une fois que c'est compris, j'ai envie de dire que tout roule, comme voilà, un copycat. Voilà, c'est... voilà. Exactement, oui. Mais tout bah oui, oui, tout à fait, oui. Mais en tout cas, bien. Voilà, si vous voulez, on va échanger nos numéros de téléphone. Ah oui, oui, si vous voulez. Alors, attendez, je fasse le putous. Alors, il faut appuyer sur le bouton. Hop. Alors, j'appuie sur le bouton. Ah, j'ai... Oh, là, j'ai un numéro qui arrive, là. C'est, ah, que, oui. C'est qui, celui-là sur... Accepté, c'est le mien, c'est le mien. Joshua. Alors, oui, tout à fait. Alors, Joshua, il faut que j'appuie sur le contact. Hop, je dois partager. Hop, Joshua, voilà. Voilà, c'est fait. Super. Voilà. Voilà. Alors, comme ça, on se tient au courant. Oui. Et dès que tout est mis en place, vous pouvez organiser tranquillement vos événements. Et si jamais vous avez un devis du coup à nous faire signer, vous nous l'envoyez par mail et puis après moi je vais au Weasel pour aller le régler. Ah bon? Pourquoi c'est quoi le Weasel? Alors c'est le journal du coin. Ah, le Woodnews, vous parlez. Oui, le oui, Woodnews. Oui, voilà, le Woodnews. Oui, bon, alors en ce moment, ils sont pas vraiment... Oui, mais d'accord. Vous parlez avec eux, avec le Woodnews. Ah oui, ah, oui d'accord. C'est eux qui ont organisé toute la partie publicitaire. Ah oui, c'est eux qui ont rien fait quand je me suis fait agresser, que les flics avaient rien fait, et puis que la dame m'avait agressé, et puis que les flics ont rien fait, et puis que le Woodnews était devant, et puis qu'ils ont rien fait non plus. Donc oui, d'accord, oui, très bien, oui, mais d'accord. Oui. Oui, bien. Oui, bon, ok. Mal barré, hein. Mais bon, il y a une autre façon autrement avec les téléphones concernant les publicités, peut-être avec des applications et des trucs comme ça. Ah bah, après, vous pouvez le faire depuis Birdie ou les pages jaunes, mais oui. C'est très. Enfin, je vous le conseille pas dans le sens où il y a peu de visibilité. Au final, il y a tellement d'annonces que ça se perd rapidement. Ah, oui. Au moins avec le With and Lose, vous êtes sûr que ce soit... Ah oui, bah ça dépend si ça les intéresse en fait. Hein. Je me demande, enfin c'est juste un avis personnel là, que je vous donne évidemment. Hein. Je n'ai rien contre eux spécialement. Sauf peut-être... Enfin bon, bref, c'est un petit... un mauvais emploi. Qu'est-ce qui ne plairait pas là-dedans? Vous savez, ce genre d'événement, ça peut attirer beaucoup de monde. Hein. Ah oui, oui, bon, j'espère bien. Et puis, si on met évidemment animé par M. Patou, vous allez voir que ça va déchirer, ça va décoiffer, hein, croyez-moi. J'aurais juste à mettre une salopette et puis voilà, hein, c'est parti. Hein. Oui. C'est surtout qu'au moins, ça change des événements qu'on a d'habitude et justement, peut-être que ça va attirer encore plus. Ah oui, oui. Ou croyez-moi que j'en ai assez des idées farfelues dans la tête qui au moins ne seront pas, comment dire, banales. Voilà, cherchons toujours écoutez, des idées un peu plus hors banales. J'ai hâte de voir ça en tout cas. Ah oui, moi aussi. Oui. Bien, bon, bah, je vous dérange pas plus alors, on a fini bon, bah, oui, je vais vous accompagner. En tout cas, merci beaucoup d'être venu et puis bah, n'hésitez pas à ouvrir une demande du coup pour tout l'aspect administratif. Ah oui, alors oui, bon, j'ai toujours un peu de mal avec le trounet hein, quand même, hein, faut le dire. Hein. Bon, après, si vous avez quelqu'un qui peut vous aider là-dessus, n'hésitez pas à le solliciter. Ah, oui. Je sais qu'on a beaucoup de centres informatiques qui accompagnent les personnes qui ont forcément bah, des difficultés avec l'informatique et au moins, il pourra vous aider à envoyer tous les documents. Ah oui. D'accord. Hop. Eh bien. Hop. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu et très bonne soirée ah à vous. Je vous en prie, merci à vous, vous aussi. Voulez-vous me repalper, jeune homme? Non, merci, ça ira. Ah, vous êtes sûr, hein, parce que je suis prêt, il n'y a pas de souci. Non. Ah non, vous êtes sûr? Ce sera pour la prochaine fois. Ah, d'accord. Voilà, bon. Alors, à la prochaine passage. Voilà, à la prochaine fois. Merci beaucoup, allez, belle journée. Une bonne journée à vous aussi. Bonne journée. Bonsoir Monsieur Picard. Comment qu'il va? Ça va et toi? Oui, ça va.
C'est une façon de se garer comme ça, là, vraiment. Hop, c'est parti, ma kiki! Hop là! Hop! Ça va, tranquille. Je propose des choses ou pas. Et après, faut, en fait, ce qui. Bon, après, je peux comprendre, hein, parce qu'il faut qu'il fasse sur dossier, etc. Mais. Qu'est-ce que fout cette voiture-là? Hop. On va attendre. Elle est un petit peu rayée. Un autre garage.
va aller à l'autre garage. Hop, en route. On y va. Ah, il était vert orange, hein, je pense, hein. Bon, là, il est orange. Ah, ah bah non, il est... Il y a plus. Oula, oh, eh, oh, oh. Bon, si, je peux aussi rouler vite, hein. C'est pas par là. Ensuite c'est à droite. Oula 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 oula. C'est que la repartie la pépette là. Vas-y, on va la pousser, on va voir combien tu montes ma petite cocotte. Purée, 177, j'y suis presque. Il faut qu'on monte à 180 quand même là. Allez, vas-y, monte. Oula, 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 oula. Papy en excès de vitesse. Bon, bah alors là, qui s'essaye de m'arrêter quoi. Oui, arrêtez-moi. On rigole un petit peu là. Une petite poursuite quoi, merde. Bougez un peu quoi. Ils sont occupés à droite et à gauche. Allez, vas-y, 170, on va appuyer un peu. Allez, il y a des fenêtres ouvertes, donc je perds la vitesse, c'est sûr, hein. 77, aïe, 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 allez, vas-y, oh, il y a une descente, il y a une descente, il y a une descente. Oui, 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 179, 180, ouais. Ah, je les ai atteints. Wow. C'est original, ce que j'ai proposé, je sais pas si t'as écouté, du coup, Patoun. Et toi qui y attends, là. Allez, vas-y, ma cocotte, l'envoie du steak. Ouh là là, c'est de la carotte mal cuite, hein. Wouh. Hop là. Et voilà. Hop. Salut papy. Bonsoir, vous allez bien? Et toi? Oui, ça va, ça va, ça va. Ça va? Oui. Oui, excuse-moi, j'arrivais pas à parler, c'était compliqué. Oui, ça va, et toi, ah oui. Papy? Bah oui, t'as du mal, mon petit. Hein. Alors, dis-moi, ah oui. Est-ce que tu peux me faire quelque chose sur cette voiture, là? Alors là, je vais voir ça, papy. Oui. Let's go. Je ah oui. La voiture de papy. Oui. Allez. Là, je vais la réparer, papy, elle est toute cassée. Non, c'est rien. Ah bah, encore pire, là. Bonsoir. Oh. Ça va? Ah bah du coup je sais pas où est ton... Ah oui, d'accord, bon. Allez bien papy. Oui. La politesse, c'est pas encore ça ici, hein. Faut qu'ils apprennent encore un petit peu. Enfin bon, alors. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il te faudrait dessus Oui, changer de couleur, enfin non après, enfin je sais pas. Non, ça, je trouve que quand j'accélère, elle perd en couille.
elle part en couille. Oui. Ah. Oui. Attends, tu sais quoi, je vais tester. Oui, va la tester, tu vas voir. Vas-y. Vas-y. Bye. Oula. Allez, il va se rendre compte que ça part en couille. Ça va, je vous dérange pas trop? Bah non, bien sûr que non. Ah, bah non, je sais pas, je vous avais dit bonsoir, je pense que vous étiez occupé à maintenant discuter. Je vous ai déjà dit bonsoir là-bas. Ah oui. Je pensais pas que c'était à moi que c'est le papy. Ah oui, oui, bonjour. Moi, je vous avais dit bonsoir, mais bon. Ah, c'est moi, regardez, vous allez me reconnaître plus vite. Attendez. Ah, tu rentres, je crois. Comme ça, vous allez me reconnaître, attendez. Ouais. C'est toi qui as voulu me faire un je sais pas quoi, là. Ouais, j'ai voulu te craquer le dos, tu es sûr pas que je te craque le dos là? Non. Tu m'embêtes avec le craquage de dos, je sais pas quoi là. Ça va ou quoi? Oui, ça va. Je savais pas que tu travaillais là. Tu peux la poser. Si je travaille là. Ah bah dis donc. London, laisse le papier. Monsieur, excusez-moi, mon collègue, il est chiant avec ça. Ah oui. Là, il se tire. Calmez-vous. Ah, des marshmallows ici. Eh bah dis donc. Oui. Non mais gros, le pauvre, déjà la dernière fois tu l'as testé. Alors j'ai testé, elle part pas en couille hein papy. Ah ouais, t'es sûr? Ah non, moi non. Ah juste ouais. Au début t'as un peu de mal à accélérer, c'est tout. Oui, voilà, c'est ça. Ça manque, tu vois, un truc qui accélère, mais ça accélère pas comme tu veux que j'accélère, tu vois? Du coup tu voudrais augmenter le moteur, c'est ça? Peut-être, mais pas trop. Oui, mais pas trop. Parce qu'il faut que ça soit bien maîtrisé, il faut qu'il y ait la bonne balance. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, je sais que la transmission, ça fait beaucoup de choses sur ça aussi. Ah, alors allons-y. Ça coûte cher? Ça coûte 16 000 $. Ça va, c'est pas très cher. Tu veux que je fasse un arrêt cardiaque, hein? Comment ça se passe, là? Tu sais combien j'ai fait de full perp à 500 000, papy? Non, autant. Beaucoup. Mais ça va, je te jure que 16 000 $, c'est rien, papy. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, bah alors écoute, si c'est rien, j'ai pas grand-chose, attends, que je regarde sur le téléphone. Mais pas 100 000. Non, j'ai pas 100 000, mon petit. Attends que je regarde. Ah oui, j'ai à peine 30 000, mon petit. 30 000. Oui. Je me fais quelque chose aux alentours et puis après, j'aurai plus rien. Hein. Ok, t'inquiète. Ouais. Alors. Du coup, je voulais changer la couleur, tu m'as dit. Oui, alors ça coûte combien la couleur? Parce que bon, je sais que la dernière fois que j'ai payé deux fois la couleur parce qu'il y avait deux couleurs. Enfin bon. Ça coûte pas beaucoup, t'inquiète. Oui. Alors. Ça coûte même pas 100 $. Oui. Coûte 500 $, pardon, ça va. Ah, mais c'est pas 100 $. Tu l'as dans quelle couleur? Je sais pas, plutôt un peu plus discret. Parce que le rouge, là, pour le coup, ils me l'ont sorti comme ça, mais enfin bon. Alors. Ah oui, ça c'est très discret. Merde. Je suis en train de faire le tour pour voir. Oui, non, mais vas-y, je t'en prie. Gris, hein? Eh ben oui, gris, c'est discret. Oui. Soit voilà. Un peu plus clair, soit un peu plus foncé. Un peu. Oh, là j'aime bien. Juste un petit peu avant. Un petit peu avant. Hop. Voilà, nickel. Ok, parfait. Voilà. Parfait. Après ça, qu'est-ce qu'il te faudrait? Le Bugs Bunny, le lapin, oui. Si tu peux me teinter un peu, fumer les vitres, parce que bon, voilà. Comme ça, hein. Non, c'est trop là. Non, c'est trop. Voilà. Juste avant. Comme ça, voilà, très bien. Ok, parfait. Voilà. On est à 19 000. Avec la transmission? Oui, avec la transmission. Ah oui. C'est juste les performances moteurs qui sont un peu compliquées. Oui, voilà. Ben, on fait ça, déjà, c'est déjà pas mal. Allez. Hein? Ok, attends, je remplis ma compta, du coup. Papa. Vas-y, remplis. Tu regardes dans la boîte à gants mon ticket, hein? C'est le ticket ouais. 1580. 1580. Bon, de toute façon, ouais. Je te redemanderai après. Là, il faut que je note la plaque, ouais. Tout ça. Vas-y, ben oui, GBG, hein? C'est beau gosse, hein? C'est moi. Oui. Hop là. J'ai eu le même sentiment quand je suis arrivé. Ah, je connais ton nom, je sais l'écrire. Ah bah oui, Patou. Voilà. Et bah oui. Hop, du coup, on est sur un total vu. Tac. Un total clac, ouais. Ouais, t'inquiète, papy. Ouais. Du coup, attends, je te fais la facture. Vas-y. Ah oui, je fais avec le téléphone. Fait de pay, là, je sais pas quoi, de machin. Ah, Vas-y, tu peux faire le Apple Pay. Voilà, je vais faire le PayPal. Vas-y. Hop, PayPal. C'est passé? Oui. Ok, parfait. Impeccable. Hop. Tu peux aller l'arranger. Ah oui. Et après, tu vas la tester pour voir s'il y a une différence. D'accord. Hop. Je peux envoyer un petit truc, papy. Oui, attends, bouge pas.
Hop. Route marche arrière. Alors, hop. Après, tu vas tester, voir s'il y a une différence. Attention. Attention. Oh, il est gentil. Oh, il est gentil. Elle est bien en grise, discrète. Ah, est-ce que je t'ai envoyé des papis ou pas? Oui, c'est gentil, mon petit. Oh, fallait pas. T'inquiète. Ah. Je suis riche, papi, t'inquiète. Ah oui, bah oui, bah oui, oui, oui. J'ai 1,7 million. Ah, ah bah oui, déjà, oui, c'est déjà pas mal. Je peux même t'envoyer plus si tu veux. Tu sais s'il est ouvert ou pas l'autre? Comment. Pour que tu me parlais d'une. Non, c'est pas toi. Oh, je sais plus. Oh. De quoi? Non, c'est pas toi. C'est comment. Ah, je sais plus. Ah, bref. Ah, ouais. Je sais plus du tout. Non, je sais plus du tout. Allez. Va la tester. Ouais, j'arrive. Vas-y. Déjà, par moi en couille. Ah, ah non, bonjour. Vous êtes pas mon chéri. Non, je ne crois pas. Il est juste là. Ah ben oui. Quand même. Ouvrez vos yeux, madame. Enlevez votre casque de votre... Il manque plus le quoi de neuf, docteur. C'est ça. Quoi de neuf, docteur. Avec la carotte. Vous avez le rêve. Vous attendez quelque chose, monsieur? Bonjour. Oui, j'attends le petit qui essaye la voiture. Ah, il essaye la voiture? Oui, parce que c'est lui qui l'a réparé puis qui m'a changé la transmission pour voir. Parce que je dérape tout le temps avec cette merde, alors voilà. Et c'est parce que dessus, vous avez les pneus drift sûrement, non? Ah, je sais pas. Je sais pas si c'est brief ou machin, mais enfin, voilà. Faudra lui demander si ça dérape encore de les enlever. Oui. Alors, ça donne quoi, mon petit? Ouais, je pense qu'il va falloir mettre le moteur. Je vais lui claquer les fesses avec la porte. Ah oui. Non, mais vous êtes... Vous êtes un charlatan, monsieur, vous voulez faire payer des customs? Non, mais non, c'est mon petit-fils, pas de côté. C'est moi qui lui offre les customs. Ah, d'accord. Ouais, okay, ouais, y'a pas de soucis. C'est un custom, c'est moi qui l'ai payé. Ouais. T'as checké s'il y avait pas les pneus drift dessus? Ouais. Non, y'a pas. Ah merde. Y'a pas? Ah bah, ouais. C'est le modèle en vrai qui. Ouais, je pense que c'est le modèle, mais y'a pas les pneus drift. Ah oui. Tranquille. Bon, et tu crois quand. Oh, je reconnais ce véhicule. C'est quoi ce véhicule? On va pas me dire qu'ils ont mis les lumières, non, là, les clignotants sur les rétros, non. Parce que c'est tellement con, ça, vraiment. Vous avez les clignotants sur les rétros ou pas? Non. Ouais, vous êtes sûr? Je lui ai vendu la voiture. Ah bon? Mais oui, c'est tu lui as vendu cher ou pas? Je lui ai vendu 70 000. Ah oui, donc t'as été gentil, dis donc. 60 000. 60 000, ouais, je sais plus. 60 ah, dis donc, il a été gentil, mais il avait besoin d'argent vite. Ah oui. Bah là, tu sais que là, j'ai plus besoin d'argent. Hein. Ah oui, t'as plus besoin d'argent. D'ailleurs, t'en as un deuxième comme ça ou pas? Non, par contre, j'ai 1,7 million. Ah oui. Mais il en voudrait un deuxième comme ça. Tu peux pas lui en trouver un deuxième comme ça? Redonne-moi ton numéro, je l'ai plus un peu. Ah, voilà, il en a peut-être besoin d'un autre pour faire autre chose, quoi, avec sa copine. Peut-être. Peut-être pour faire comme le patoucar. Ah, ouh! Et tu sais que j'en ai parlé. Celle-là, on la garde propre et l'autre. Ah bon? Ah oui, vous en salissez une, d'accord, d'accord, vous faites ce que vous voulez, hein, j'ai envie de vous dire, après, bien entendeur, tu sais que j'ai été voir le gouvernement, ou je sais pas quoi, là, pour faire mon patoucar, l'association et tout ça, qu'il faut faire plein de papiers. Ah, il faut faire les papiers. Mais ils étaient d'accord, par contre, sur le principe, pour l'événement et tout ça, oui. C'est stylé. Ouais. Bien joué, papy. Ils étaient d'accord, hein, donc, bon. Bien joué. Oui, mais après, il faut faire tous les papiers, je sais pas quoi, donc, j'en sais rien. Enfin, bon. On verra, au pire, tu me montreras les papiers. Oui. Donc faut que tu lui trouves une autre voiture comme ça. Ouais, bah c'est un Beretta, ça devrait pas être difficile à la trouver. Eh ben voilà, mais... En tout cas, t'as un autre client, tu vois, et un client, il faut le maintenir. Oui. Ah bah tu me tiendras au courant. Ouais, pas de soucis, t'inquiète. Voilà. Hop là, c'est enregistré. Allez, bah prenez soin. Allez, bisous. Oui, faites attention à vous. Et puis, bonne promenade. Merci. Oui. Papy. Oui. Viens,
Tiens, avec l'argent que je t'ai donné, tu vas pouvoir acheter le moteur au max. D'accord. Bon, ben, je... Oui, attends, je vais monter. Hop, ben. Ah, oui. Elle est déjà mieux en couleur comme ça. Mais c'est au début, en fait, j'ai l'impression, c'est quand tu démarres la voiture, mais c'est parce que moi, j'accélère trop vite. Oui. Mais moi aussi, j'appuie fort. T'appuies bien sur l'accélérateur. Oui. D'accord. Pourquoi il se tape ? C'est vraiment des zigoutos. Ouais, pourquoi ça fait 22 500, enfin 27 000. T'as assez ou pas ? Attends, je regarde sur mon téléphone. Dis-moi, sinon je te renvoie des sous. Non. 31 000. Non, c'est bon. Je peux faire. Ok. Ok, je te mets ça du coup. Hein. Ouais, très bien. Tac, je remets. Mais casse-toi. Pas le tout. On a perdu tout le moins de 30 ans ? Ah oui ? Hein ? Oui, on a perdu tous les moins de 30 ans. Oui, par rapport à. Oui, d'accord. Oh, putain, j'y étais pas du tout, excusez-moi. Ah. Oui. C'est chiant. Oui. Oui. Elle est bien comme ça, en couleur comme ça. J'aime bien. Ouais. Et à ce qui paraît, c'est une bonne voiture aussi. Hein. Ah bon ? Bah, tu vois. Je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit. Il y a quelqu'un qui a dit : oh, mais t'as pas la même, c'est une bonne voiture et tout. Ah oui. Ben on va voir, hein. Je suis monté à 180 tout à l'heure. En descente. En descente. Hein. Ouais, bon, c'est en descente. Mais c'est déjà pas mal. Oui. Oui. Hop. Et hop là. Voilà, je te laisse payer, papy. Oui, attends, le machin, le machin. Ouais, bah, fais le Apple Pay. Voilà, le PTP. Voilà, le PTP. Tout pareil. Oui. Mec ! Attends, bouge pas. Ce petit truc. Et ça va, ça tourne bien là ? Oh, ouais, mais non, va. Mais t'as fait quoi encore ? Oh, mais non ! Je t'ai envoyé le prix de la custom, papy. Ah, bah oui, mais oh, qu'est-ce qu'ils font là ? Allez, oh, ils font les débiles, tu sais. Allez, viens, on va ranger ta voiture. Ah oui. Salut, papy. Ah, mais. Je vais payer sa custom, Sam. Oui, eh ben c'est toi qui m'avais dit. Non, je sais plus. Oh, c'est toi ou c'est. De quoi ? Tu m'avais parlé d'un magasin, c'était le Barata, le Manamana, le. Oh, je sais plus. Le Continental. Bahamas. Oui, voilà. Non, c'est pas moi. Moi, je t'ai parlé du Continental hier. Oui, voilà, c'est ça. Tu m'as parlé du Continental. Tu sais s'il est ouvert ou pas ? Bah, j'ai acheté ma voiture tout à l'heure, donc tout à l'heure il était ouvert. Ah, purée, à chaque fois je lupe le cash, hein, vraiment. Après, t'as plus de sous, papy. Oui, bah, je vais négocier un tarif. Non, tu peux pas négocier là-bas, c'est des gros rats. Ouais, je pense que le lariste aura plus de chances de négocier, papy. Ah, bah, oui, mais il est pas ouvert. Non. Ouais, bah là, il est pas ouvert, mais faut que tu fasses des sous, papy. Eh ben oui, faut que je fasse des sous. Et oui, mais j'essaye d'en faire, hein. Tu sais que c'est pas facile. Ah, alors... mais je comprends, t'inquiète. Eh oui, en me promenant à droite, à gauche, en disant bonjour à tout le monde, en offrant des petits cadeaux à droite, à gauche, au bout d'un moment, hein, voilà. Faut arrêter d'offrir des cadeaux, papy. Oui. Moi, t'as vu, je t'en fais plein, je te custom tes voitures. Oui, c'est gentil. Ah oui. T'inquiète. Ou alors t'arnaques les gens. Oui, mais, bah oui, mais pour les arnaquer, il faut avoir quelque chose. Eh oui. Eh oui, c'est vrai. Bien joué. Bon, pas forcément, hein. Oui. Je voulais me faire l'autre jour, vous savez, une bijouterie. Ah bah, ça s'est mal passé. Mais je t'ai dit, un de ces jours, me faire de l'argent. Un de ces jours, je t'embarque sur une bijouterie. Si oui, bah, on m'a déjà embarqué, c'est bon, mais j'étais dans le mauvais côté, moi. Ah oh, putain, t'étais otage. En bijouterie, tu sais ce que j'ai oublié de déposer ? J'ai oublié de déposer les bijoux. Oui. Allez déposer dans ta voiture. Oui. Je m'en fous, c'est pas grave, j'irai déposer ça. Oui, tranquille, tu t'es pas censé te faire péter. En plus, je crois que t'as ton limite sur toi. Ah bon ? Non, mais tranquille. Oh, ah oui, tranquille. Ah oui, tranquille, papy. Ouais, tranquille. Oui. Allez, viens, papy. Oui. Comme ça, je te redépose, tu peux ranger ta voiture. Oui. Et moi, je les confonds, les deux. Hein. Et que à la tête. Là, je travaille beaucoup. Ah bah oui, bah, c'est déjà bien. Restez sur le viande. Reste à l'affût, le mec. Reste à l'affût. Attends. Ça va être hop là. Petit drift. Eh ouais, petit, hein. Alors, est-ce que c'est mieux ou là ? En vrai, attends, je vais tester. Bah, ça démarre un petit peu compliqué. Ouais. Mais en vrai... Un peu mieux, quand même. Ah oui, vraiment un peu mieux. Bah là, déjà, on est déjà à 140, hein. Ah oui. 150. Ouais. 160. Ouais. 170. Ouais. 180. Ouais. Voilà.
Bon. 175, mais on n'est pas loin. Ouais, oula. Hop là. Mais non, t'inquiète pas. Donc tu vois, ce que tu faisais en descente, tu le fais sur du tout droit. Oh purée! Aïe! J'avais pas de véhicule pour moi, papy. Purée de pommes de terre. Je crois que je me suis tapé la tête contre le volant. Ah bah oui. Ah purée. Je te ferai une réparation, t'inquiète. Ah bah oui, on est plus assez près. Aïe. Mais pousse-toi! Ah non. Oui. Hop là, parce qu'elle me faisait un peu cassé. Hop là. Il n'y a pas d'airbag sur les Pontiacs, non. Et voilà, c'est bon, tu peux l'arranger. Oui. Enfin, va toutes les couleurs, hein, quand même. Bah, c'est déjà pas mal. Oui. Moi, j'ai eu une nouvelle voiture aussi. Ah ben. Regarde, papy. Et où? Là, derrière toi. Ah. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une super voiture. J'ai mis un camouflage. C'est un camouflage. Oui, t'as vu, je passe inaperçu comme ça. Ah bah oui, là, ça c'est sûr, hein, c'est moufage. Hein. C'est pour faire du drift. Ah oui, attends, le drift. Attends, papy. Oui. Quoi? Quoi? T'as besoin qu'on vienne ou pas? Ouais. Il y a une embrouille où elle est. Attends. Oh. Il se passe quoi là? Ah, bonjour. Ça va? Oui, ça va et vous? Ouais, ça va. Vous avez retrouvé votre voiture? Alors laquelle? Oui. Oui. Ok. C'était qui vous l'avait volé déjà? Je sais plus, un jeune avec un short et des tés pieds nus, avec un short marron, comme sa voiture qui était marron, aussi moche, dégueulasse que son short. D'accord. Ouais. Bon, je vais demander à Sly, je crois, la plus d'infos. Oui. Vas-y. La petite, oui. C'était la petite qui avait été. Puis elle m'avait rappelé, je crois. Attends. Ouais, elle m'avait rappelé. Elle m'avait dit. Elle m'avait dit quoi? Oh ben mince. Taïa. Ah non, elle m'avait appelé. Oui, voilà. Elle m'avait juste appelé pour me dire que tout était OK. Monsieur Patou, c'était pas. Okay. Elle lui avait fait compris le message. Parce qu'il m'avait piqué ma voiture. Et ça le faisait rire, surtout. Moi, ça me faisait pas rire. Ouais, t'inquiète. Oui. C'est bon, ça va être résolu. Vas-y, beau bacarin. Allez, à plus. Oui. Oh, c'est nickel, du coup, je l'ai prévenu. Bon. Il est où, le petit? Quelqu'un pour aller sur l'inter, s'il vous plaît. Eh ben, elle est où? Mais. London, il fallait sur la terre. Ouais, je t'avais rappelé. Oh le bordel. Il est mouvementé ce garage lui aussi. Hein. Dans tous les garages en fait. Hein. Ah, mais c'est là. Non, mon collègue, il était là-bas, il m'a appelé. Ah ouais, c'est ça. Il est parti où Tu sais où il est parti? Qui, mon frère? Oui. Dedans. Ah. C'est bon, il est là. Ah oui, il s'occupe d'abord, je sais pas, il m'a dit qu'il y avait, je sais pas quoi. Chez nous, en fait. Ouais, c'est vrai, désolé. On parlait que je suis baisé, je crois. Oui. C'est bon, on parle. Ah, vous voulez une réponse? Ah. On
avec nous, t'as pas raison. Ah. Attention, faites attention les gars là. Oh là 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 là. Ah oui. Ils sont passés, ils sont revenus. Ils sont partis. Ok, c'est nickel. Bah. Paf. Paf. Oui. Paf. Oui, ben paf, oui. Paf le chien. Oui. C'est un chien? Non. Alors. Je les mange. Oh, du... Non, non, non. Bah, si. T'as jamais mangé du chien? Non. Moi, j'ai déjà mangé. Dis-moi, t'as le numéro de monsieur Ryu ou pas? Ryu? Oui. Ryu? Non, Ryu. Oui. Ryu ou Ryu? Oui, ben le monsieur Ryu, au Menem. Ah, au Menem, oui. Oui. Attends, j'ai son numéro, oui, si tu veux. Ah, tu peux me l'envoyer? Mais parce qu'il faut que je l'appelle. C'est quoi ce raciste? Ben, j'ai pas ton numéro. T'as pas mon numéro? Moi, c'est fort de café, ça, maintenant. Bah ouais, j'ai pas ton numéro. Non, là, 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 là. Alors, tu appuies sur le machin, tu fais contact, tu fais... Ah, merde, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ah. Merde, ah, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. T'envoies le mien, attends, regarde. Hop. Voilà. Nickel, parfait. Et maintenant, voilà. Je t'envoie le sien. Ah oui. Alors, attends. Oui. Ah là là, la technologie, hein. J'ai envie d'un café, un café, un café. Tu t'en sors? Oui, parce que c'est une belle merde. Ah. Alors. Voilà. C'est qui ça? Ryu. Du Nem-Nem. Bah non, c'est pas du tout ça, c'est pas écrit ça. Il y a marqué Nem-Nem Ryu. Non. Il y a marqué quoi? Un saint, lit et fange. Mais non, ça c'est moi qui partage le numéro. Ah d'accord. Putain. Et dis donc, retiens tes mots. Bah non mais putain, c'est pas un insulte. Ouh, ça dépend. Bah... Alors, du coup. Oh, j'ai plein de messages, j'en ai 8. Mais non. Mais si. Attends, t'es vachement connu, ouais. Papé. Ben oui. Ben tu sais qu'il y a des gens qui viennent me voir qui me disent « Ah, monsieur Patou !» Oui, je sais pas qui c'est. Ah. Oui. C'est alors. Une façon d'approche. Oui, c'est ça. Vous avez... Bonjour, monsieur Patou. Il y avait une semaine de recrutement demain à 20h45. Ah oui, bon, faut que je fasse un recrutement à l'hôpital de ma semaine. Ben dis donc. Ben vas-y, bonne tenter. Oui. Alors, téléphone de je sais pas qui. Voilà. Je sais pas, j'ai des numéros, je sais pas. C'est qui le rabbit, là? Je sais pas. Essayez de vous appeler, mais vous n'avez pas répondu. D'accord. C'est bien, le téléphone, il me parle tout seul. Bon, bref. Où est-ce qu'il a fini, le petit? Attends, viens, on va le voir. Hein. Oui. De toute façon, il est avec les M&M's. Ah oui. Quoi, la voiture? Bonsoir. Du coup, il a une légende, il s'appelle le Yeti des chiottes, voilà ce que j'ai retenu. Non, merde. Ah. C'est tout ce que j'ai retenu. Hein. Vous avez retenu comment que ça? Et elle s'appelle June. Alors, le Yeti des chiottes et June. Ouais, voilà. Non, mais non, du coup. Quoi? Oh, merde. Bon, attends, vous le jouez, pense à toi maintenant. Ah oui. Ouais, mais je tombe pas sur vous, vous inquiétez pas. Pas de soucis. On vous en met dans le frigo. Un petit coup dans la jugulaire là, hop, on en parle plus hein. Ah oui, hop. Hop, allez. Dans le frigo hein. De toute façon c'est moi le médecin, c'est moi qui déclare la mort. Ah. Hop. Ah oui, hop. Et puis les organes au trafic. Ouais, oui, c'est hop. C'est de merde ça, je donc, reconnais, je vais appeler Ada. Donc et là, oui. quand tu signes ton papier pour déclarer la mort, tu mets signé hop. Yeti des chiottes. Oui c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Ah oui. T'arrives comme ça, eh, bah, tu signes Yeti des chiottes. Ah oui. Un grand c'est grec, t'as vu, c'est petit, dingue, e, petit E, petit I. Ah, faut que j'en mange des nouilles pour... Oui.
J'ai l'impression que tu veux devenir raciste, tout ça parce que... Tout ça parce qu'on peut te parler. Mmh. Il a trop le seum. Mais vous avez pas les mêmes tenues que d'habitude ? Comment ça se passe ? J'arrive plus à savoir, moi. Ah, oh, petit médecin. Si. En fait, j'explique que c'est des cow-boys. Des petits médecins. Des petits médecins. Ça, c'est ma tenue de médecin. Des petits médecins. Ça, c'est ma tenue de médecin, d'accord ? C'est Ada, il me l'a donné. Des petits médecins. Voilà. Des petits médecins. Si tu savais. Il a bloqué, là. Ah, oui. Allô ? On se réveille. Allô, on se réveille. Aïe ! On se réveille. Technique secrète. Bon, je pense qu'il est occupé. Je vais laisser occuper. Bon, allez, moi, j'y retourne. La bise papier. Oui, des bisous. Alors lui. Alors lui, si je le chope. T'es en train de se chamailler. Il y a eu un meurtre ou quoi ? La vidéo pour moi avait bug. Ah bon ? Non ? Non, il n'y a pas eu de meurtre. Il n'y a même pas. Faut que j'aille me chercher un café. Avant les histoires. Ah oui, elle en voit déjà. Ah oui, on a une petite différence quand même. Hein. On va faire une pointe entre Paletto et... Hop là. Oh là 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 là, mais t'es fou! Une pointe, hein? Allez, vas-y, envoie ma cocotte. Allez, on va la descendre. 187. Ouais, ouais, ouais. Maximum. On peut se mettre une petite musique, hein, quand même, de promenade. La la la. Sur la plaque d'immatriculation, c'est écrit PBBG, donc ça veut dire Patou Bobo Gosse. Et ouais, il y a le double B.
Alors je me souviens, je m'étais arrêté au garage, pas loin, au-dessus. Patou, Big Bogos. Oui, voilà, merci Jonathan. Big Bogos, voilà, je vais pouvoir me la péter. Je vais aller à la salle des sports, là, où il y a les jeunes, où ils sont toujours surexcités. Je vais leur dire, alors, vous avez vu ma voiture? Je fais ma petite flamme. Il faut que je gagne de l'argent, mais j'ai pas de, de job en fait, au fond. Parce qu'en fait, je suis hôtelier de base, mais hôtelier mapping. En fait, c'est un ancien. Enfin, rien du tout, même d'ailleurs. En fait. Du coup, je gagne pas d'argent. Je gagne que les 150 dollars. Donc, du coup. Effectivement. Quand les petits enfants offrent un custom, un machin au papy, c'est très bien. Ça me va. Hein. Je vais pas m'en plaindre. Hop. Après, ils le font avec bienveillance. Hop. Pas de flamme dans le. Non. J'ai pas été voir à l'intérieur ce que ça donnait. Oh, ça va, c'est pas. Le bruit que ça fait. Moi, je m'étais arrêté ici. Mauvaise expérience avec les gens d'ici. Ah, ok, tu vois dans ta tête. Oh là là. Non, non, pas devant moi, pas devant moi, pas devant moi. Pas devant moi, pas devant moi, pas devant moi, pas devant moi, pas devant moi. Ah, mon cerveau. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Eh ben, en gros, tu te démerdes, tu cherches un truc. Pas devant moi. Ça fait 4 heures que je suis en train d'optimiser ma prépa d'usine et faire le palier. Attends, parce que là, par contre, attends. Là, j'ai un truc qui va pas. Un autre audio, mais non, bonsoir, monsieur. Vous venez pour le mojito? Hein, de quoi? Vous venez pour le mojito? Non, je vais m'arrêter là, pur hasard. Ah, d'accord. Oui. Si vous voulez, y a un parking là-bas sur le côté. Ce sera peut-être mieux pour votre voiture. Non, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de concitoyens qui marchent. Oui. Ils risquent de vous larrer, en plus, il y a souvent des racailles. Ah oui, en gros, ma voiture gêne, c'est ça, c'est ce que vous voulez dire. Pourquoi tout de suite vous prenez les choses comme ça? Ah bah non, bah je sais pas, je sais ce que je comprends, en tout cas. Bah, alors, dans ce cas-là, bah, c'est bon de vous dire que vous comprenez mal. Ah, bon bah alors elle est bien, là, finalement. Ouais, écoutez, vous faites ce que vous voulez. Ah oui. Bon, alors, il y a quoi ici? Hein? Il y a quoi ici? Eh ben, il y a un bar. Ouais, ah oui. Nickel, bien joué. Il y a un bar, le Mojito Inn. Ah oui. Vas-y, bonsoir. Hop là. Bonsoir, déjà. Oui, arrivé, il y a un prix. Il y a
Est-ce qu'en fait, il y a un réglage sur attendez, monsieur. Le Discord. Ah, ça va, prix. Oui, ça va. Eh, mais vous, il nous a déjà vu. Ah bon? Oui, il vous a déjà vu. Vous m'avez vu où? Non, je sais pas, dans la ville. Ah, bah oui, dans la ville, oui, oui, peut-être, je sais pas. Ça arrive, monsieur, un serveur va arriver. Ah, oui, c'est... d'accord. Let's, si tu veux, je te paye un verre, viens. Hein? Non, non, c'est gentil, je peux me payer mon verre. Non, je vais pas parler à toi. Ah, je vais parler à qui? À moi, Romano, dans ma radio. Ah, vous parlez à un Romano dans une radio? Non, attends, ah non. Oui. Ah non, non, mais y a pas de souci, y a pas de souci, hein. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Non, à moi, Romano. Ah oui. Oui, Romano. C'est moi, amigos, quoi. Ah oui. Vous avez des micos. Tu comprends ou tu comprends pas? Oui, mais je comprends que tu as des mycoses apparemment, donc il faudrait peut-être aller consulter. Non, non. Il y a peut-être des médecins. Mais si, si, on peut appeler un médecin si vous voulez. Je connais un très bon médecin. Attendez, bougez pas. C'est qui? Prechika. Oui, je suis. Non, non, mais je. Alors, Prechika. Amigos. Amigos. Oui, amigos. Alors, attendez. Tu sais, où tu fais des soirées et tout ça. Attendez. Avec eux. Hop, je vais l'appeler, on sait jamais. Il y a un fou, il appelle un médecin. Pour que je consulte un médecin. Moi, j'ai des mycoses vaginales. Oui. Oui, Prechika. Monsieur Batou. Oui, c'est Monsieur Batou. Dites-moi, j'ai comment dire une personne au bar du Mojito, enfin là, qui a apparemment des mycoses. Il est un petit monsieur, peu embêté. Je sais pas si vous pouvez faire quelque chose. Il doit peut-être venir vous voir. Non, il est fou. Il y a rien du tout. J'ai amigos. Comment? Monsieur le barman, aidez-moi. Passez jusque là, vous inquiétez pas, je vais arriver. Ah oui, d'accord. Bon, bah, très bien. Oui, je vous en prie. Aidez-moi, merci. Monsieur, oui, pas de souci. Vous raccrochez? Monsieur, bien. Attendez, j'arrive. Ah, ben voilà. Monsieur Patou, il est fou, il a... Faut pas s'inquiéter. Oui, voilà. Le médecin arrive. J'ai juste dit que j'ai des amygdoses. Ben oui. Pas des mycoses. Oui, mais le médecin arrive, vous inquiétez pas, Romano, tout va aller mieux, Romano. Vous inquiétez pas, tout va aller mieux. Il y a un médecin. Je vais déjà t'arrêter. Oui. Ah, ben non, je sais pas, vous m'avez parlé de mycose. Non. Vous inquiétez pas, non, il va arriver. Des amigos. Oui, ben oui, oui. Je comprends, oui. Dans une soirée, on peut en avoir beaucoup, oui, j'imagine. Oui. Mais non, pas du tout. Ah si, en tant qu'ancien chercheur, il y a 30 ans, ouh là là. Ouh oui, on peut en avoir pas tout. Ah oui, ça doit faire un moment. Mais... De quoi? De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est fait un moment de quoi? Bon, il vient quand ce barman? Il arrive. Ah oui. Attendez, je vous l'appelle. Je les mange, les mycoses. Ah mais vous êtes dégueulasse! Tu tiens même mon Dieu. Romano, ça doit faire un moment que tu es chargeur. Mais je suis pas Romano et je tiens debout. Ça donne du goût. Ben oui. Alors, excusez-moi du temps d'attente, monsieur. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Oui. Quand elles sont bien pourries. Je sais pas. D'abord les jeunes. Il est fou, mais c'est pas tout. Oh, attendez. Ouais. Allez-y en premier, monsieur. Je vais vous servir en premier. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? On va servir le monsieur, parle vite. Vous, monsieur. Oui. Et vous, mais il y a plusieurs monsieur ici, donc je suis désolé. Vous parlez de qui? Vous, monsieur, vous êtes... Le plus vieux hein. Ici, en gros. Ah, alors, c'est pas moi. Ça tombe bien. C'est pas moi. Oui. Il y a un peu de respect pour ton patriarche. Arrêtez. Il y a plus de respect envers lui. C'est quand même une personne âgée. Mais je suis pas âgé. J'ai 56 à l'envers. Je suis pas si âgé que ça. Vous pouvez pas croire. Hein. Okay. 56 à l'envers. C'est ben oui. Eh ben, ça va. C'est Junes. Alors, attention. C'est Jones. Voilà, ouais. Je peux te voir deux minutes, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bon, attendez, mais c'est pas vous le monsieur que j'ai croisé en faisant des donuts? Hein? C'est vous, non, c'est du drift. Vous m'avez dit. Je vends pas de donuts. Je peux faire du drift. Ah bon? Ah, c'est. Ah, bon, je sais pas, j'en sais rien. Quand vous aviez rendez-vous à la police tout à l'heure. Vous me surveillez, vous êtes en train de m'espionner. Appelez la police! Appelez la police, il est en train de m'espionner, le petit là. Appelez la police! Monsieur. Monsieur, vous allez vous en souvenir, je sais que vous avez Alzheimer, mais quand même, si vous allez vous en souvenir. Non. J'ai des mycoses, apparemment. Oui. J'ai des amigos. Oui. Souvenez-vous, monsieur, souvenez-vous. Oui. Tout à l'heure, oui. Je faisais du drift, vous m'avez dit, je peux faire la même chose. Oui. Je vous ai dit, montrez-moi, et vous m'avez dit, pas maintenant, j'ai un rendez-vous à la police. Ah, c'était toi, hein? Oui, c'était moi, voilà. Ah oui, avec la voiture grise, je crois. C'est grise, ça, un truc comme ça. Voilà. Oui, je sais pas s'il y a des biens, mais enfin, oui, voilà, quoi. Enfin, il y a du mieux que le vôtre, mais
Merci. Oh, attends, non, moi, c'est une pupille. C'est pas pareil. Ouais, hein. Ça vaut pas le même prix, quoi. Ouh, c'est pas le prix qui compte, c'est la beauté de la voiture. C'est vrai, monsieur. Alors là, vous avez complètement raison. Ah bah oui. Ah bah oui. Oui. Mais après, je suis pas monté dans votre voiture, donc je pourrais pas vous dire si elle est bien ou pas bien. Oui. C'est vrai. Ah oui. En tout cas, les sièges sont bien confortables. Ah bah oui, bah, j'imagine. Évidemment. Alors, là, monsieur, dollars, au Costa Gris, je vous offre un verre. Monsieur Patou. Je vous offre un verre, le barman est en train de vous le préparer. Oh, bah c'est gentil. Mais pourquoi vous m'offrez un verre? Parce que j'en avais envie. Oh, bah c'est gentil. Ah, bah si, ça me fait plaisir, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Ah oui, très bien. Dites-moi voir, c'est quoi votre chiffre préféré? Je vais dire entre le 15 et le 80. Je choisis quoi? Les deux, pourquoi pas? Allez, prenez les deux. Oh, merci, c'est gentil. Alors, faites gaffe, il est un petit peu chargé, donc je vous explique. C'est un petit mélange de trois bières différentes, accompagné de miel avec une pointe de whisky. Donc, c'est un cocktail qu'on a. Ah, le miel avec du whisky, c'est pas mal, je connaissais pas. Vous allez voir. Ah oui. C'est très surprenant. Mais, ah oui. Vous allez le mettre carpette, le vieux. Non. Je vais t'en faire une. Je vais t'en faire une carpette, moi, tu vas voir, là, avec mes mycoses. Hein, je suis désolé, hein, je me promène pas, quoi. Hein. Tu veux être carpette Mais non, je veux pas être capette, là. Non, mais attends. Fais malin, ça se trouve, il est plus solide que toi. Oui. Voilà. Alors, bon. Ça fait longtemps que vous travaillez là, le michoteau, là, tout ça. Eh bien, écoutez, on a fait la primo ouverture le 30 décembre 2023. On a repris, juste avant la nouvelle année. Ah, bah c'est ça, exactement. On a repris le patronat du bar avec mon frère. Oui. Le 20. Normalement, le 20, ouais. Ah, vous avez un frère. Oui, c'est ça. Il est juste derrière en train de former un jeune, là. Ah oui, c'est celui qui m'a dit de pousser ma vagnole ? Non, c'est moi. Ah merde, c'est vous. Ah oui. Non, mais il voyait pas quelque chose de méchant, vraiment. Ah non, bah non, je suis pas méchant. Non, surtout qu'en plus, c'est pas une place de parking, donc si les flics viennent, ils peuvent vous coller une prune, quoi. Ouais, bah qu'ils essayent, parce qu'en ce moment, là, les flics, je les ai, tu vois, je les ai là, dans le nez. Je les ai vraiment dans le nez, hein, les flics. Oui, j'imagine bien. Bonjour. Ah, bonne soirée. Bonjour. Tu veux qu'on te dépose ou ça va aller ? Bon, non, je vais prendre ma moto sur le parking. Ah oui. Surtout pour vous, je disais ça. Ah oui, avec la police, je les ai, mais alors, oh là là. Je sais pas trop. Depuis pour rien, quoi. Depuis qu'ils essayent. Tu vas pas raccompagner NG ou pas. Oh, les régalés, vous allez voir, il est délicieux. Bah, c'est juste là, j'ai vu. C'est juste en haut de l'hôpital. C'est malade. Allons-y, dansons la cabriole, dansons la cabriole, dansons. C'est un bon, ça. Oui, avec du miel. On imagine d'être un ours près d'un arbre et on met la main dans le pot. Oui, dansons la cabriole. Je suis le grand ours et je mets ma main dans le pot de miel. Aïe, dansons. Ça envoie du steak, hein, votre. Eh ben non, je ne suis pas carpette, je me promène pas avec mes mycoses comme vous, hein, n'est-ce pas? Eh oui, un roumano, hein, je t'en ferai un roumano, moi, tu vas voir, hop là! Eh oui, la carpette, c'est pas moi! Et tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac! Bah oui, parce que. Vas-y, je te mets ça, c'est quoi ton numéro préféré? Allez, envoyez, hop là! Les dents sous la cabriole, envoyons, ça me fait moins mal au dos, dis donc, hein. Au cas où tu n'as pas compris, il dit qu'il a des mucoses. En gros, il a dit il y a mes amigos, il a compris des mucoses. Ouais, il a vraiment pas tout. Tu m'as dit 18,59. Il a juste coucou. Désolé, je suis dans l'air, j'arrive. Je vais faire ça devant toi, Pierre. Purée de pommes de terre. Hey, ça envoie votre truc là, j'aime beaucoup. Ouais, si tu veux, je donne le mien. Je donne le mien si tu veux. Non, merci. Non. Non, attends. Vas-y, viens de l'autre côté, jeune. Vous venez de lui donner, puis qu'il veut me donner le sien. Et il a des mycos. Alors attends, imagine, je vais pas lui déchopper. Le mien. Le mien, à moi, là. Ici. Merci. Si vous voulez, comme je l'ai dit au monsieur, c'est un mélange de trois bières différentes, de whisky et de. Oh, c'est gentil, merci. Sorator, merci. Tu vas sentir l'ours, là, tu sentiras l'ours, le grizzly. Tu vas sentir une abeille. Ouais, je fais le con avec monsieur Pato. Ah oui. Je croyais que tu tenais. Eh ben, dis donc. Et donc, tu travailles là ?
C'est plus que... Non, c'est que je suis son frère. On est frère d'une famille. C'est le bar un peu de la famille, on est tous à la famille. Ah oui, donc du coup, vous êtes derrière le comptoir en faisant du brief ailleurs. Non, le compte, derrière le comptoir, mais je travaille pas ici, mais... C'est ah comme oui. chez moi ici, j'ai tous les jours, je viens, ah oui. je nettoie pour eux, je fais plein de trucs. Hein. Ah, bah ça c'est bien ça par contre. Oui. Ah oui, c'est bien. Ah oui, oui, oui. Ouais. Eh oui. Du coup. Et vous avez fêté ça? Vous avez eu du monde? Vous avez comment appelé le Wanous pour signaler que c'était ouvert? Oui, c'était le soir de l'ouverture, il y a eu beaucoup de monde. Ah, bon, en ce moment, il n'y a plus trop de monde, mais là ah, aujourd'hui, oui. c'est encore un jour un peu... Oui. Il y a un peu de monde, ouais, c'est pas mal. Oui. C'est, ah, ben bah, oui. Mal. Mais en fait, il faut entretenir, il faut faire du spectacle. C'est tout. Ouais, c'est ça, ah, faut... Oui. Proposer. La oui. dernière fois qu'on était là, on avait fait une course oui. de trottoir. Oui. Oui. Arrêtez de bouger, parce que j'arrive pas. Bah, allez-y, ouais, oui, je vous en prie. Non, mais excusez-vous, oui, je vous en prie. Oui, ouais. Alors, vous disiez que. Le premier jour de l'ouverture, oui. on avait oui. fait une mini-course de mini-tracteur tronçonneuse. Ah, oh, c'est rigolo ça. Exactement, oui, mais autrement, vous faites pas du spectacle sur la scène là-bas. Si, on fait un peu de musique, mais on n'a pas trop de musiciens en ce moment, fixe. C'est un peu des musiciens ouais. qu'on trouve comme ça, on n'a pas des fixes. Oui. Oui, d'accord. Ah, puis là, on a un jeu de fléchettes là-bas. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont en train de jouer. Ah oui. Ah bah tiens, je vais les voilà. emmerder. Attends, je vais les emmerder un petit peu. Vraiment, je suis LSPD sur Red Start, mais ton niveau de RP. Non, passe pas devant, tu vas te faire mal. C'est gentil de dire ça. Mais le problème, c'est qu'il va se prendre une fléchette. Alors. Tirez pas. Alors, ça gagne ou ça perd? Ah bah ça vient de gagner. Ah, c'est qui a gagné? C'est monsieur. Ah, dis donc. Vous pouvez pas laisser gagner la dame? Ah, oh, c'est la dame qui a gagné. Ah oui. Vous pouvez rejoindre si vous voulez. Ah allez, non, je vous en prie, allez-y. Ça, jamais joué. Alors comment ça joue par contre ce jeu? Oui. Ah, bah, vous continuez même pas mon petit verre. Hein. D'accord, ok, ça marche. Qu'est-ce que j'ai comme vin? Je sais pas tout. J'ai que ça. Je prends un verre de vin. Ah bah c'est facile. T'inquiète, c'est normal. Oui. Mais bah, du coup, tu m'as rencontré? En l'esprit. Bon, en ce moment, Patou, il a une dent contre la SPD parce que je m'étais fait... Non, pas encore, ok. Je m'étais fait agresser par une dame. Mais... Moi, c'est 14. Ah, c'est le... Oui, et vous engueulez pas, les gars. Oh, c'est rien, hein. C'est juste un chien à côté. Hein. Oui. Ça va aller, hein. Pas d'inquiétude, hein. Je crois que il y a un problème de son. J'ai mon micro. Je reviens sur le parce que je crois que j'ai eu un bug et mon micro a merdé. Et je crois que j'étais ouvert quand je vous parlais. Donc, ça le fait pas. En RP, ça le fait pas du tout. Il y a encore 280 personnes, hein, quand même, hein, à cette heure-là. 200 personnes. Et, moi, c'est 14. C'est faux. Il me semble aussi. Ouais, je crois que j'ai eu un petit... je voyais mon micro ouvert encore. Ah mais 14, c'est l'agent de sécurité? Non, je sais plus. J'ai rencontré un agent de sécurité au gouvernement. Ah. Ah, bonjour.
excusez-moi du retard, il y a eu la police et tout. Ah non, mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Je vous en prie. Alors, comment je peux vous aider? Vous savez que j'ai postulé, enfin que... C'est un peu compliqué. Bon, je vous expliquerai après. Mais alors, après, la personne qui a des morpions ou je sais pas quoi, des macos... Ah, c'est toi? Non, madame, il a dit n'importe voilà. quoi. Il voilà, c'est lui. Des micos, ça m'a voilà, le pauvre. Bonsoir, bonsoir. Oui, oui, dis-moi, madame. Ouais, le pauvre. Ah, oui. Ah, non, il a plus aimé ce c'est pas pareil. Il n'a pas pu carré bien, papy. Non, mais non, je comprends tout à fait. Oui, c'est oui. C'est un ancêtre. Ah oui, pour les mucoses, je sais pas, un ancêtre. C'est l'histoire des mucoses. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, ben bah, oui, il a raison, il a des mucoses, j'imagine. Oui, attendez, on va peut-être rentrer à l'intérieur parce que là, il y a un peu trop de monde. Là. Ah ben, alors on dit que moi, je me gare et puis qu'il n'y a pas de place. Hein, vraiment. Moi, je me gare là proprement. Il y en a un autre qui se gare un petit peu. C'est pas mieux, hein. Ah oui. Hop. Tant mieux à l'intérieur. Donc apparemment, il a des mycoses. Oui. Oui. Comment? Vous êtes sûr? Ça va aller? Boubou, ça va aller? Bon, on va rester à l'extérieur, je pense. Ce sera peut-être mieux. C'est peut-être mieux rester à l'extérieur, alors. Oh, ça va, madame, ça va, je vous ai juste poussé. Tout va bien? Ah. Le sentiment que ça va pas. Ça va? Alors, on peut faire une petite histoire, bougez pas. Ed. Levez les bras si vous m'entendez. Ed. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire de la petite salade. Il était une fois une petite salade qui rencontrait donc un petit... Oui. Je raconte une histoire. Vous voulez se joindre? À nous? Oui, non, peut-être. Monsieur Patou, ah, je vous entends. Oui. Oui. Non, oui. Non, c'est pas par le problème. Ah oui, on est un peu fatigué, je crois. Ouais. C'est les effluves du 31 et du 1er. J'arrive pas à parler. Oui, toutes mes félicitations. Sean, viens. C'est bon, on s'est rentant. Ah oui. Donc, je disais, l'histoire de la salade, ben, du coup, je vous expliquerai plus tard. Hein. Non, moi, voilà. Je Ah ben non, j'ai pas de... Non, on avait un problème avec le petit gars qui avait des mycoses. Ben non, je crois qu'il avait dit amigos et il a... Monsieur Patou, il a mal compris. Ah. Il a mycoses, mais pour comprendre voilà. Aussi, il parle tellement vite. Oui, voilà. Oui, voilà, il parle tellement vite qu'on n'a même pas le temps. Non, mais on a... Ils veulent finir leur phrase avant même de les avoir commencé. Eh ben oui, voilà. Puis en même temps, faut qu'ils apprennent à articuler. Oui, c'est ça. Oui. Plus rien de ce qu'ils veulent dire. Donc je vous disais, Miss Prishka, comment dire... J'avais discuté avec Madame Lily concernant mes 30 années de recherche de laboratoire pour donner un coup de main à la ville en tant que médecin, hein, et puis peut-être opérer des gens, voilà, pour donner un coup de main. Donc, et puis, ben, ils m'ont dit qu'il fallait que je pose un CV, il fallait que je trouve une personne qui fasse mon CV parce que je ne savais pas faire un CV, blablabla, et blablabla, et puis qu'ensuite, après, demain, qu'il y a une recrutement de je ne sais pas quoi, enfin voilà. Genre, moi j'ai besoin de gagner mon argent parce que j'en ai marre là de me promener à droite à gauche, hein. Ça va 5 minutes. Elle m'a envoyé un message, mais enfin bon. C'est pas mes heures de sieste. Hein. Oui, mais ça c'est mes heures de sieste. Alors, ah ben oui, moi j'ai une obligation de sieste. Ah oh là 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 là. Alors elle m'a dit, Monsieur Patou, il y a des sessions de recrutement demain 20h45, 20h45, c'est compliqué. Vous voyez? Hein? Ce que je vous propose, c'est d'aller faire un tour à la plage. Oui. Oui, excusez-nous, madame. On discute. Hein, donc, merci. Hein. C'est vrai, quand même. Oh là là.
Le serveur se fait attaquer ou comment ça se passe? Bon, alors, en attendant, je vais vous raconter la suite de l'histoire de la salade. Alors, l'histoire de la salade... Allez, dis, oh. Mais poussez-vous, monsieur, c'est bon. Alors, je vais vous raconter l'histoire de la salade. C'est une salade qui est, comment dire, dans un potager, et puis il y a un escargot qui est dans le potager. Et dans ce potager-là, eh bien, du coup, à ce moment-là, il allait rencontrer cette salade. Et cette salade rencontre une autre salade qui s'appelle, du moins, comment dire, la laitue. Et voilà. Donc, du coup, à ce moment-là, je raconte la suite. C'est-à-dire que une fois que la petite salade est racontée, ou du moins, comment dire, ne rencontre pas l'autre Scarole, parce que la Scarole lui dit « Mais comment tu t'appelles ? Oh, mais tu sais que j'étais laitue, moi, avant. Ah bon, tu n'étais pas le fusée ?» Ah, c'est bon, oui. Donc, oui, oui, nous aussi, en on fonction de... Voilà, à par rapport à la salade et à la Scarole. Voilà. Voilà, l'histoire est terminée. C'est revenu. Oui, voilà. Bien. Donc, je disais que... voilà, moi, je cherchais donc du coup un travail depuis un petit moment. Et puis, du coup, je vais, comment dire, donner mon expérience de mes 30 années d'expérience de laboratoire de recherche. Et donc, voilà. Hein, pour découper les... de charcuter... de opérer les gens. Oui, 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 voilà. Oui, oui, voilà. Mais oui, ouais, sinon, ouais, c'est demain, 20h45, sinon, faut envoyer un CV. Ben, c'est ce que m'a demandé, mais sauf que je sais pas faire des CV, et puis que je trouve une personne qui fasse un CV, et donc, ben, voilà. Jusqu'à présent, on m'a donné un numéro, un gars qui m'a dit, ben, je vous donne le numéro de quelqu'un qui va vous aider. La personne que j'ai eu au téléphone m'a dit, ben non, il y a une candidature, il faut pas poser la candidature, on prend pas les CV, je sais pas faire. Ben, pourquoi tu me donnes le numéro? Enfin, bon, bref, c'est compliqué, hein. Ou au pire, essayer d'appeler Madame Lily, Ah mais je l'ai appelé, je l'ai vu hier, et elle m'a dit, j'appuierai votre dossier, votre CV, oui, monsieur Patou, voilà. Peut-être vous présenter à elle, et qu'elle peut vous faire passer le truc, peut-être, mais je sais pas si elle a... Je pense qu'elle devrait être apte à faire passer un entretien, mais c'est plus le directeur en général qui fait ça. Ah oui. Quand il prend sur le tas, j'ai déjà vu des gens se présenter comme ça, sur le tas, et... Oui. J'ai été reçu par lui, quoi. Ah oui. J'ai information, mais... voir, c'est vraiment quand ils sont dispo, quand ils sont là. Oui. Ça, on sait pas, je sais jamais c'est quand qu'ils sont là. Eh ben oui. Eh ben. Bon, alors je verrai si demain ma sieste dure pas trop longtemps, mais je suis pas sûr, hein. Ouais. C'est pas mes heures de sieste, hein, ça. C'est eh oui. Fait. Ah oui. Ouais, c'est toujours les mêmes heures en plus qu'ils font ça, et c'est toutes les semaines normalement. Ah bah oui, mais enfin bon, il faudrait peut-être... Mais est-ce qu'ils arrivent à recruter à cette heure-là? Oui, oui, il y a des gens... Ah bah oui, bah oui, bah oui. Eh oui. Ah oui. Où est-ce que j'avais vu ça, moi? C'est problématique, hein, quand même, hein, vraiment. Oh là là là. Bonne nuit, Sfo. A tout à l'heure, si tu te réveilles sur Satisfactory. On arrive à la fin, de toute façon. Ah, c'est là. Ouais, 20h45, samedi 6. Ah oui. Petit départ Nico pour ceux que ça intéresse. C'est quoi? Appareil aéronautique. Dis-moi l'ami, je veux que tu tournes ta soif. Ah oui. Non, c'est bon, j'attends quelqu'un. Ouais, je sais pas, tu veux. Bon, allez, je vais vous laisser. Merci encore, hein. Oui. Oui. Merci, hein, en tout cas, d'être venu. Oui. Merci d'être passé. Je vous en prie. Oui, j'écoute. Oui. Bon, et eh ben du coup, c'était bien sympathique, hein, votre mijoto, votre boisson. Oui. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Ah, il lui a filé les mycos. Ah. Eh, Dio, on parle meilleur, là, hein. Patou, tu peux arrêter avec tes mycos, s'il te plaît. Oui, ben je... Ah bah attends, il a été guéri au moins? Je sais pas, faut demander la... Je sais pas, mais il est parti avec, il peut les garder. Bon, bah voilà, comme ça sera réglé. Ah ouais, il est parti, j'ai pas vu, monsieur. Comme ça, au moins, ouais, ça sera réglé. Voilà. Oula, ça a pas marché. Ah oh ouais, bah là, vous venez de lui mettre un pénalty en plus. Ça a marché, c'est bon. Ben... Mais c'est le pire. Un joli petit péno, là, franchement, bien vite. La lucarne. Merci en tout cas pour le verre, hein, c'est très gentil. Y a pas de problème, monsieur. Allez. Si vous voulez d'autres, revenez avec plaisir.
Oui, bah avec plaisir, je reviendrai, oui, ça c'est sûr. Allez, merci beaucoup. Belle soirée. Bonne soirée, oui. Papy. Oui, Patou, Patou. Soyez les bienvenus. Oui, Patou. Oui, Patou. Oui, Patou, Patou. Vous êtes les bienvenus comme vous voulez. Oui, Patou, oui, Patou. Hop. Patou. Enchanté, Patou. Oui, merci. Attention, je recule. Attention, je recule. Attention, moi, attention, je recule. Wow, wow. Oula, oh, je recule, moi, je recule. Voilà. Ah, hop là. Ouais. Pardon. Ouais, non, mais ça va, tout va bien. La voiture va bien. Ouais. Ah, c'est gentil, merci. Laissez-moi passer avant, là, vous. Poussez-vous, là. Allez, poussez-vous, on dégage. C'est la première fois que je rencontre du monde là-bas. Oui, du coup, c'est Picard, d'accord. Des bisous, Picard. Oui, il y a eu deux problèmes de voice, c'est con. C'est comme ça. Hein. Allez, on va de la sauce. Wow. Et en fait, j'essaie de trouver un job pour Patou, pour qu'il ait quand même un truc fixe. Et proposer aussi des événements à droite et à gauche pour pouvoir... voilà quoi. Faire des choses. Et du coup, Sorat, tu m'as connu comment? Ça serait avec grand plaisir de te rejoindre sur le serveur GTA. Ah oh bah, qui sait? C'est pas un whitelist, hein, c'est un FA. Hein. Mais j'ai été super bien accueilli avec mon personnage. Et ça se passe bien, en fait. Alors, le danger, évidemment, moi, avec Monsieur Patou, c'est le fait que... Attends, j'entends rien avec la bagnole, là. Je vais me mettre à l'intérieur. Du coup, le danger, c'est que Patou, les gens confondent qu'il est pas capable de faire... C'est chiant. J'ai vu Red Star d'RP, du coup... Je suis venu. Ah, oui. Ah, tu m'as connu comme ça, ou juste en... Oh, pardon, madame. Oh, pardon, madame. Pardon. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'aider? Boubou. Enlevez votre casque pour parler. Bonjour. Ah. J'ai un problème avec ma voiture, elle est partie à droite. Pourquoi je les entends pas? Alors, monsieur Patou. Oui. Alors... Oui, monsieur Patou. Oui. Vous allez bien? Non, ma voiture est partie en cacahuète à cause d'un citoyen là, qui m'a coupé la route. Vous voulez qu'on vous dépose? Monsieur, c'est... Non, c'est que je voulais décaler la voiture. Voilà. Ah. Voilà, il a réussi à la sortir.
Ah, impeccable. Vous êtes capable de le faire ? Non, 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 j'ai toujours peur. Ah, oui. C'est gentil de me dépanner, hein, parce que vraiment, j'avais peur. Le co-citoyen, là, le citoyen, du moins, il m'a foutu peur. Il m'a tapé dedans. Regarde, là. Comment ça ? Alors... Ah oui. Ah, purée des pommes de terre. Ah oui. C'est fort de café, hein. Mais monsieur, j'ai plus de mycose, par contre. Ah, t'en as plus ? Bon, bah, tant mieux, alors. Impeccable. Oui, ah. Tu veux que je te donne quelque chose ? Oui, on veut de la plata, monsieur. De quoi ? On veut de la plata. N'écoutez pas, n'écoutez pas, n'écoutez pas. Oui. De quoi ? Si, si, si. De quoi ? Moi aussi. De quoi ? Mais je comprends rien du tout. C'est un personnage. On s'en fout, c'est envie, il va nous donner direct. De quoi ? On veut de la bonne. On veut de l'herbe. De quoi ? Mais de l'herbe, t'en as là, regarde. T'en as plein partout, t'as qu'à aller en prendre, tiens. Vas-y. Attends, je broute. Le pas, il est... Ah voilà. Le pas, il est... N'importe quoi, mais qu'est-ce qu'il veut foutre avec de l'herbe ? Faut pas lui donner d'argent. Ah bon ? Attends, je broute. Oui, voilà. Ouais, broute bien. Oui. Bien. Bon, allez, merci en tout cas. C'est gentil. Hop. Merci beaucoup. Vous voulez qu'on fasse une course contre vous, monsieur ? Je pense pas que c'est raisonnable, monsieur, de conduire à votre arrêt. Mais non, pas d'inquiétude. Bon, là, ça bug beaucoup au niveau micro, hein. C'est un peu compliqué, quand même, hein. Là, je crois qu'il y a des... ce soir, il y a des bugs micro. Donc, nous reprenons notre histoire, que j'étais en train d'expliquer. Que du coup, Sorat, du coup, tu m'as trouvé comme ça. C'est bien. Je pensais que c'était par le biais de quelqu'un, tu vois. Attends, je m'arrête au casino. Ouais. Il y avait aussi Tito qui... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, j'ai pas... J'ai pas le temps ! Qui a parlé... de toi sur son live. Ah bon ? Ce soir ? Non, pas ce soir. Sur... Ah bon ? Non, il y a un moment... Ah, ok. D'accord. Wow. Elle envoie. C'est un ennemi du serveur. Oui. Hop là. On a dit qu'on pouvait aller à l'envers. Alors moi aussi, je vais à l'envers. Voilà. Hop. En fait, je fais mon RP, full RP. Je fais du full RP. Tu vois, j'ai pas de map pour moi. Bonsoir, monsieur. C'était pour jouer, si c'était encore ouvert ou pas. Merci. Ah, je pense que c'est blanc toujours, hein. Ça peut changer, hein, que ce soit la neige ou pas. Toujours aussi blanc. On va sortir 10 000. J'ai plus de sous. Hop. Ouvrez la porte. Merci. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'ils habillent comme voiture ? Bon, c'est toujours la même. Hein. Avec une couleur chiasse sur le dessus, vraiment. Hein. Oh. Tu as un job dedans ? Non. Bonsoir. Bonsoir, papy. Ça va ? Ça va et vous ? Oui, ça va. Parfait.
C'est calme ce soir, Titan? Oui, très calme, en même temps il est tard. Hein. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis un oiseau de nuit. Tu sais que sur ma plaque d'immatriculation, c'est écrit PBBG. PBBG? Ouais, c'est-à-dire Patou Big BG, tu vois. Patou Big Bogus. Big Bogus. Ouais. Enfin, vieux aussi quand même. Enfin, 56 à l'envers. Je pourrais avoir un petit truc pour l'entrée, là. Bien sûr. Bien le bonsoir. Bonsoir. On a un petit cocktail. Un petit spécial. Allez, un petit spécial, c'est la soirée. Allez, allez. Allez. Mon ticket d'entrée que j'ai pris, du coup, c'est le 253. Non, pas ça, le 1968, pardon. C'est mon ticket, j'ai confondu avec le ticket de caisse de tout à l'heure. Impeccable. Hop. Voilà. Vous êtes là. C'est tout bon? Voilà. Merci beaucoup. Eh ben maintenant, je vais aller boire mon coup et aller jouer à la roue et gagner la voiture. Que j'aime pas du tout, mais c'est pour gagner la voiture. Bah, bonne chance à toi. Hein. Oui, ça fait plusieurs fois que je viens et je la gagne jamais, cette bagnole. De... mais bon, ils ont toujours pas... oui. Bah, enfin bon, un jour, je vais peut-être la gagner. On sait jamais. L'espoir. Pour moi, chef, c'est un petit whisky, s'il vous plaît. L'espoir fait mourir, comme on dit. Allez, on y va. Allez, bonne chance. Oui, merci. Coucou, Venturi. Bonjour, bonjour. Acheter des jetons. 10 000. J'ai des jetons sur moi, en plus. Hein. Merci beaucoup. Donnez-moi la totalité. Merci. Hop. Alors, la voiture. Allez. La voiture. Ah, la voiture. Allez, la voiture. Un bon conseil. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Mais j'en ai plein des poncesses là. Oh. Miss tout. Non, en fait, tous les soirs, tu peux te jouer 10 000 et tenter de gagner une voiture. Mais j'ai jamais gagné. J'ai beaucoup de tickets de concesse, mais dans toutes les voitures. Je mets mes tickets de concesse dans les voitures. Lol. Oui, ben c'est comme ça. Je n'aurai jamais cette voiture. Bon, ben j'ai pas gagné la voiture. Hein. Ah merde, fais chier. Oui. Bon, ben merci hein, en tout cas. Oui, bonne soirée, bon courage surtout. Bon courage. Oui, bah surtout à vous. Oui. Ah là là. Vous pouvez ouvrir la porte s'il vous plaît là. Ouh ouh. C'est vrai, non mais ouvrez. Bonsoir madame. Merci de votre accueil en tout cas. Vous êtes toujours même aussi charmante que hier ou avant-hier ou avant-avant-hier. Et encore avant-hier, bonsoir. Et toujours avant-soir, vous êtes toujours agréable, hein, vraiment, hein. Oui, merci beaucoup, hein, voilà. Bonne soirée. Ah, ben c'est ma voiture. Ah non, c'est pas la mienne. Hop. Alors. Dans le mauvais sens. Désolé. Je me demandais le mauvais sens. Désolé. Hop, on y va. Wow.
Ben. Avec les tickets, t'as des réducs dans les magasins de voitures. Mais j'en ai plein. Je vais en avoir 5. Un de 20, un de 10. Mais en fait, à chaque fois, c'est que j'aime pas avoir des choses sur moi. Et je les place... Je les place dans les boîtes à gants des voitures. Donc, voilà. Voilà ma voiture. Ah oui, ben oui. Bonsoir. Monsieur Ryu. Encore vous, monsieur Patou. Attention. Et monsieur Ryu? Non. Non, monsieur Ryu, c'est moi, Nikos. Ah bon? Mais décidément, c'est pas possible, on se croise beaucoup. Mais vous me suivez ou pas? Je savais pas que vous travailliez avec monsieur Ryu. Ah si, je travaille avec monsieur. Monsieur Ryu est un grand ami, hein, donc voilà. Ah oui, mais je travaille pour monsieur Ryu. Oui, d'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh ben non, je voulais voir monsieur Ryu. Ah, il est pas là? Il est là ou pas? Il ne répond pas, il pense qu'il n'est pas là. Bon, ben vous lui dites que monsieur Patou est passé. D'accord, je lui dis de vous rappeler ou quelque chose comme ça. Oui, voilà. D'accord, je fais comme ça. Alors. Voilà. Je vous remercie en tout cas. Bon, ben décidément. Vous la ramène ou quelque chose comme ça? Pourquoi vous me l'offrez? Ouais, je peux vous offrir un burger si vous voulez. Oui, non, mais gardez merde. Gardez votre burger, mais bon appétit. Et gardez non, votre burger pour vous, c'est gentil. Non, 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 je vous en prie. Non, c'est bon, arrête. Donne-moi pas ça. Ah. Ouh, tu fais de mauvais coton, toi, hein. C'est bon, merci beaucoup. Généreux. Oui, je vois ça, c'est très gentil. Oui, merci moi, beaucoup. Si vous avez envie de repasser... Oui. Ah ben oui, c'est très gentil. C'est très gentil de ta part. De rien. Bon, ben du coup, je mets ça dans... Oui, dis-moi. Vous appelez plus des médecins pour m'inventer des maladies. Hein. Ah ben, je sais pas. Moi, c'était pour toi. Hein. C'était pour ta sécurité. Hein. Tu vois, au moins, comme ça, tu as pu rencontrer le médecin. Puis comme ça, tu peux avoir un contact. Et tu sais que tu as eu le médecin avec M. Patou. Et du coup, tu sais qu'au moins, M. Patou, il a des bons médecins. Et qui sait que peut-être qu'un jour, je te soignerai parce que je vais passer la candidature en tant que médecin, mais je suis plus à, comment dire, à découper, à charcuter, à opérer les gens. Non, 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 mais enfin, voilà. Donc, voilà. Non, c'est que... voilà, pas de souci. Je prends le doggy bag, du coup. Ah, voilà, le doggy bag, enfin, du coup, j'emmène ce que tu m'as donné. Voilà, merci. Oui, d'accord. Oui, pas de souci. Par contre, j'ai 63 000 sur mon compte, mais je ne sais pas comment j'ai tout ça. Comment? Je sais pas comment j'ai eu autant d'argent. Ah bon, tu sais pas comment t'as de l'argent? En fait, j'ai eu de l'argent, mais je sais pas comment. C'est peut-être que quelqu'un t'a piraté ton compte bancaire et qu'il a fait peut-être des circuits différents et tout ça avec, la comptabilité et le mystère du système bancaire avec les trucs d'ordinateur. Hein. Peut-être que ça se trouve, c'est fictif. Lâchez l'informatique, monsieur Ryu, c'est pas pour vous. Monsieur... Je suis pas monsieur Ryu, c'est monsieur Patou, je suis. Pardon. Ouais, il faut arrêter de fumer la sauce, là. Mais non, mais c'est mon herbe, ça. Ah, mais il faut changer d'herbe, hein, mon petit gars. J'adore l'herbe, en fait. Ah oui. Regarder. Ah bon? Tu t'es pris pour une vache? Ah oui, ça d'accord. Ah oui, fais pas ça, au tabac, là, devant le comptoir, là, hein, parce que je vais prévenir monsieur Ryu que t'es en train de fumer de l'herbe. Ouais. Ouh là 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 là. Ouh, bah dis donc. Ouh là 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 là. Ouh là là. Coucou, Etchou. Arrête de saquer. Pas de patrouille. Comment il va, Etchou? Attention, marche arrière. Waouh. Hop. Ça va? Et toi, le légendaire Patou? Oh, légendaire. Faut peut-être pas déconner non plus. Bon, c'est une légende que ça, hein, faut pas déconner. Oh, purée de pommes de terre. Oh, purée de pommes de terre. Allez, hop, je trace. Wow, oh, purée, oh, purée, oh, purée, oh, purée. Ah, ah.
J'ai eu la peur de ma vie, j'étais presque au fond du puits. Oh merde. Merde. Je crois que j'ai cassé le machin. Ah. Impossible, hein. Si, si, le légendaire. C'est pas une voiture pour papy. Non, c'est pas une voiture pour moi. C'est pas une voiture. Excusez-moi, monsieur. Monsieur, excusez-moi. J'ai un souci avec ma voiture. Là, on peut se mettre une petite musique style ça. Monsieur, excusez-moi. J'ai un problème avec ma voiture. Je me suis pris, comment dire, le poteau et j'ai cassé le poteau, du coup. Là-bas, ici. Et Ah oui. Vous vous en foutez, Royal? Eh ben, vous aussi. Allez vous faire voir. Oui, plus tard. Bon. C'est quand même pas possible, ça. Ah. Bonjour. Je voulais savoir si vous voulez m'aider pour ma voiture, parce que j'ai un souci avec le capot. Enfin, du moins, le radiateur. Je voulais savoir si vous pouvez m'aider, parce que j'ai vraiment un problème. Ça a fumé un petit peu à droite, à gauche. Vous savez, est-ce que vous vous connaissez... J'ai pas vraiment l'impression que vous allez vous y connaître, mais je pense que vous pouvez peut-être m'aider par rapport à ma voiture de là-bas. Et vous voyez, en fait, c'est que j'ai... Comment dire? J'ai voulu freiner. Il y avait une descente. J'ai accéléré... Vous en avez rien à foutre, aussi. Eh ben, dis donc, merci pour l'aide, hein. Merci. Impossible, hein, vraiment. C'est quand même comme faire deux cafés. Ah. Bonjour. Vous... Au revoir. Bon. Bon, je vais essayer de rouler comme ça, hein, parce qu'on sait jamais. Alors. Alors. On y va. Hop. On va aller vers le garage. Je vois pas grand-chose. Alors, attends, je vais suivre les traits. Ah, c'est pour aérer, hein. Alors, attendez, hop. Je sais pas s'il y a du monde. On va y aller. On va voir, hein. Je sais pas. Alors, attends, faut que j'aille tout droit, parce que là, je vois pas grand-chose. Faut que je me fie au trait du capot. Alors, attends, il y a un capot, il y a un trait, il y a un trait jaune. Hop, par là. Alors, attendez, hop, on continue tout droit. Attention, je passe, hein. Attention, hein. Ah, hop. Attention, il y a monsieur Patou, attention. Attention, je passe à gauche, hein. Voilà, hein, hop, voilà, on va y aller. Très jaune, il est où? Il est là, très jaune. Ah oui, alors, bon, alors, hop, hop, je vais me diriger vers une place de parking. Je sais plus où je suis, là, faut que je garde le mouvement de la voiture. Ah, j'ai vu des flèches, à droite. Hop, j'ai vu des flèches à droite. Voilà, hop, j'ai vu. Alors, attention, hop, des flèches, voilà. Ça va aller comme ça. Hop. On va pouvoir y aller. Est-ce que c'est vert? Je vois pas si c'est vert. Ah, merde. Alors attends. Hop. Voilà. Attends, j'ai vu encore des flèches à droite, à gauche. Hop. Le trait est toujours à gauche. C'est bon. Il y a des pointillés. Hop. Attention, c'est monsieur Patou. Hop. Voilà. Je vais y arriver. Hein. Hop. Je crois voir. Ben, voilà. Alors après, de mémoire, ça doit être par la droite. Mais je crois qu'il y a un feu avant. Voilà. Oula. Attends. Oui, c'est bon. Hop. Alors, on y va. On continue. Allez, on démarre. Saloperie de voiture. Hop. Alors, on va continuer. Hop. Oula, il y a plein de traits. Merde, il y a plein de traits. Ah. Alors, attends. Hop. Oulala. Oula. Bon, je pense que je devrais rentrer à l'hôtel, moi. Je pense que ça sera beaucoup plus sérieux. Hop. Alors. Mince. Hop. Par là, je crois. Voilà. Peut-être pas par là. Voilà. Par là. Oh, merde! Oh. Ah ben non. C'est pas du tout par là. Oh, merde. Ouh, j'ai cassé le poteau.
Ah. Oh merde. Attends, je vais remettre le poteau. Excusez-moi, j'ai cassé le poteau, je vais le remettre, hein. Pas d'inquiétude. Hein, voilà. Là, hop. Tout va bien, oui, oui, je suis à côté du poteau, voilà. C'est dans le passage, c'est dans le passage. C'est dans... Oh my god. C'est dans le passage. Je vais peut-être lâcher le poteau. Je vais attendre que les gens passent. Allez-y, passez, passez. Je vous en prie. Allez-y. Je vous en prie, allez, passez. Passez. Allez-y. Passez. Ah, c'est pas vrai, il y a comment. Bon, alors. Allez-y, passez. Je passe le poteau, tout le monde est parti. Ah. Mince. Ah. Ah. Bon. Alors, on va pousser la poubelle. Alors. Ah, non, pas comme ça. Dans l'autre sens. Voilà, on va ramener la poubelle. On va faire comme si que de rien n'était. Voilà, voilà, voilà. Hop. Voilà, voilà. Bon. Ensuite, voilà. On va faire ça. Remettre la boîte un petit peu discrètement par là. Voilà. Ah, merde. Ah, merde. C'est vos conneries. Ah, alors, attendez. On va remettre le... Hop là. Hop. Voilà. Alors. Voilà. On va remettre no! ça là. Oh, God! Ah, merde. La poubelle. Ah, alors, attendez. Hop. On va remettre ça là. Hop, reviens par là. Ah, merde. Ça va par là. Ah, alors, ah. Bon, alors, attends. Voilà. C'est tout bon. Voilà, personne m'a vu. Je vais pouvoir poser le poteau discrètement dans le buisson. Voilà, voilà, voilà. Je m'appelle Poupou. Et hop. Oui, 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 je poupoutise tout le monde. Le mail fonctionne pas. Non. Bon, ce capot veut pas fermer. Ah. Allez, saute dessus. Ah. Ah, c'est pas possible. Allez, ferme-toi le capot. Ah. Il se passe pas, papy. Hein? Attends, je redescends. Hop, ou pas grand chose. Pas grand chose. Ça fait craquer un peu quoi? Ouais. Mais t'as pété un câble. Pourquoi? Bah, je sais pas, je passe, je te vois sur toi pour... C'est-à-dire qu'en fait, je suis en train de... Comment dire, d'essayer de... Parce que j'ai cassé... Oui, j'ai légèrement cassé un peu le poteau, etc. Et du coup, tout est un peu parti en vrac, donc voilà, j'ai essayé de ranger. Et par contre, du coup, mon capot s'est ouvert et j'arrive pas à le refermer, donc je monte dessus, c'est tout. C'est juste une question d'analyse, de situation, voilà, c'est tout. Tu veux que je t'aide? Comment? Est-ce que tu veux que je t'aide? Oui, oui, si tu veux, oui. Attention? Oui. Oh, comment t'as fait? Moi, il s'était bloqué. Mais il s'est bloqué pourtant. Non, t'inquiète. Ah, ben regarde, il a du mal à se fermer. Il faudrait ressauter dessus quand même. Bouge pas. Oui. Je vais essayer de regarder ça. Vas-y. Pourquoi il baissait Pourquoi il ferme pas? Pourquoi il ne veut pas se fermer? Oui, dis-moi donc. Mais bon, je tape un peu dessus. Oui. Ah, bah, tape pas trop fort, hein, parce que oui. Non, t'inquiète. Ah, oui. Merde. Ah, c'est peut-être mieux. Ah, oui, voilà, c'est mieux. Ah, c'est mieux comme ça, non? Ah, ouais, t'es fort. Vraiment, t'es fort. Bah, je suis pas mécano pour rien. Ah, bah oui, c'est vrai, t'es mécano. Bah oui, je suis con. Bah oui.
Eh ben oui. Ah voilà. Eh ben oui. Bon, ben voilà, bon, ben du coup, oui. Bah allez, je te souhaite une bonne route. Oui, merci mon petit. Oui. Ah. Hop là. En route. Bon, il m'a réparé ma voiture. Du coup, elle est belle dans la nuit, avec toutes les lumières. Jolie. Bon, l'hôtel, maintenant. Le bout aussi, je suppose. Ouais, il y en a encore quelques-uns que j'ai pas encore réussi. Bug. Quoi, bug ? Quoi, bug ? Quoi, bug ? Quoi, bug, bug ? Quoi, bug ? Oh, ça va, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous la péter, hein. Excusez-moi de parler aussi fort, hein. Vraiment, hein. Tout, il va au lit. Ouais, je vais aller m'arrêter et ensuite on va partir sur Satisfactory. Mais là, je vais m'arrêter parce que là, j'ai plus de scène. Hein. J'ai proposé des petites choses. On va voir demain. Le problème, c'est que demain, 20h45, moi, c'est pas mes heures. C'est pas mes heures de jeu. Donc, c'est un peu compliqué pour moi là. Donc, je. C'est-à-dire qu'en plus, si je débloque le 20h45 de mon côté, c'est-à-dire je bloque certaines choses. Non, la tête à Kiki non plus. Mais pas les... La tête à Kiki, c'est avec la cam. Ça sera la semaine prochaine. Décidément, hein. C'est à cause de son grand âge. Mais le problème, c'est que... Enfin, bon, attends, bref. Non, mais c'est qu'à 20h45, moi, j'ai une vie privée hein, aussi. Hein, donc... Et 20h45, ce ne sont pas mes heures. C'est hyper rare. Et si en plus, je bloque ce créneau-là juste pour une scène... enfin, pas pour qu'une scène, mais... c'est-à-dire que si je bloque mon créneau comme ça, privé, pour faire juste un entretien, et si ça se passe, genre, c'est 10 minutes d'entretien ou que c'est pas... ça serait compte de... Enfin, pour ma part, je préfère encore faire des scènes la one again, comme je fais d'habitude, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bien. Eh bien, on a fait 3 heures avec Patou. J'espère que ça vous a plu. Ouais. Eh oui, j'espère que ça vous a plu. Pareil, les enfants avant tout. Ouais, non, mais... bon, moi, j'ai pas d'enfant, hein, c'est pas la question. Mais en gros... Ah non, je me consacre. Oui, j'ai fait un petit rototo discret, mais vous l'avez peut-être pas entendu, enfin bon, bref. Oui, bah, on est tous naturels, on fait pipi, caca, popo, chacun, voilà, c'est comme ça. Hein. Bon, basta, c'est tout. Hein. En gros, mes horaires en ce moment sont de 16h l'après-midi, en moyenne, à partir de 16h, je fais du stream de Satisfactory jusqu'à 20h. Alors, de temps en temps, je change de jeu, parce qu'il faut aussi changer un peu. Il y a du Planet Zoo, il y a du Planet Coaster, il n'y a plus maintenant. Mais il y a d'autres jeux, V-Rising ou peut-être... peut-être comment... bref, enfin, il y a d'autres jeux. Et après, en fait, j'ai mon créneau perso, en fait. Hein. Mon créneau perso, c'est à partir, en gros, de 20h jusqu'à 23h. Je me laisse quand même 3h perso avant que je revienne en stream. Pour partager évidemment du jeu, du rire, de la rigolade et tout ça, soit du RP ou soit un autre jeu, et après le soir à partir de 2h, dans les environs de 2h, enfin tout dépend des scènes qui vont se présenter ou tout dépend du jeu avant. Il y a une session où c'est le soir en mode chill, posé, mode on se pose après avoir fait pas mal d'efforts, d'épuiser de l'énergie, on se met en mode chill. Et puis le dimanche, c'est les streams. Le dimanche soir, c'est minuit. Mais j'essaierai de vous faire un planning. Et c'est très dur. Non. Mais Sati vient de crash. Ah merde. Ah merde. Ah merde. Toujours notre Patou adoré. Merci à toi. Bon, t'inquiète, Venturi. Mais Venturi, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, hein, du coup, hein, Venturi.
Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Mais ça se passe, hein, tu vois. J'avais une petite... Mais après, c'est compliqué parce que tu vois, il faut que je gagne un peu d'argent. Bon, après, en même temps, j'ai assez de bagnoles comme ça, c'est pas le souci. Mais en gros, il faut que j'arrive quand même à gagner de l'argent pour faire des choses. Et le truc qui m'embête, c'était que je suis pas là le jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. Ah, toi, t'es là plus en semaine ? Ouais, bah, vie privée, hein. Normal, hein. Ça se comprend, hein. Enfin, pour autre chose, même d'ailleurs, ça ne regarde pas, hein, mais. Travail de nuit. Ah ! Ouais, dans quoi ? Ah, je suis désolé, Ama, hein. Vraiment, pour ton sexy. Si tu veux de l'argent, la LSPDI, ça paye bien. Mais tu sais, Sorat, j'ai voulu postuler, mais on m'a sorti que il faut déposer. Enfin bon, je peux comprendre. Hein. En fait, on me dit il faut déposer son CV ou même. T'as l'impression que le joueur qui est en face de toi va dire t'es sérieux là, papy, tu vas venir à LSPDI? J'ai posé la question s'il recrutait et j'ai pas eu de suite, j'ai pas eu de réponse. C'est-à-dire il faut déposer un CV, etc. Et je suis pas CV. Je sais que pour les gars en Discord, ils ont besoin et tout ça. Mais pour moi, j'ai besoin de faire de la scène. Je veux donner ce que j'ai envie de donner. Et voilà, je fais, on le dit et redit à chaque soir. C'est du CV. Pour moi, le CV, c'est conversation verbale. Tu vois, pour moi, c'est ça. Une conversation verbale. Et pas un curriculum vitae. Mais ça aurait été drôle, honnêtement. Tu mets pas tout en mode LSPD. Je suis sûr que je les arrête tous. Déjà. Contrôle de bagnole, les papiers, les pressions des pneus, l'alcool vitesse. Et puis, on fait le tour de la voiture, on regarde dans le coffre. Si j'ai un doute d'odeur de merde ou peut-être d'une autre odeur, crois-moi que le contrôle de routier, il va y en avoir, hein. Imagine, pas tout à la radio. Roger, rue Saint-Antoine, direction de la poursuite d'une voiture orange avec des pneus de naze. Mais en tout cas, nous sommes en poursuite. Normalement, il n'y a pas besoin de CV. Il y a des sessions de recrutement. Si tu veux, je me renseigne et te les donne. Mais le problème, c'est que... C'est ce que je dis, c'est que... Les heures de recrutement, pour moi, c'est pas mes heures. Je suis désolé pour Red Start, là, pour le coup. Enfin, voilà. Les EMS aussi recrutent en permanence aussi. Pas besoin de CV, c'est des sessions de recrutement à voir sur l'intranet de la ville. Oui, Loulou, mais le truc... de toute façon, il l'a eu, hein, le message par Lily. Il l'a eu, pas tout, hein, le message par Lily. Puis justement, par Priska... Ah, je sais plus, du coup, parce que du coup, je déforme tous les noms. Mais je l'ai eu. 20h45, mais c'est pas mes heures. Tu vois. Le bar. C'est la première fois que tu parles, dis donc, le bar. Le bard. Le bard. Des sessions l'après-midi. Si je dis pas de bêtises. Suis sur le nouveau Twitter. Le tequila là. Tu auras des notifications sur ton tel. Ah bon. Ouais, mais je comprends rien, ce truc-là. Ah, créer un compte. J'ai déjà créé un compte. Non. Oh, va chier. 14h, pardon. Oui. Les. Je te suis depuis un petit moment. Ah bon? Et tu dis rien? Et là, je vois message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Donc, en fait, tu dis un Simsum. Tu m'as pris pour un vieux. Et tu sais ce que ça veut dire, Simsum? Tu sais, hein, moi, je suis fort. Hein. Oui. Bah c'est gentil en tout cas. À
Après, j'y tiens beaucoup à mon personnage, mais après, faut que, voilà, faut que je trouve une petite activité à droite, à gauche. Ouais, en fait, voilà, c'est tout. On garde le pauvre qui travaille. Et en fait, tu peux tout lui mettre. Hein. Tu peux le mettre psychologue. Je suis sûr que je peux te parler, vraiment. Je vais te parler sérieusement. Il faut que tu te concentres sérieusement. On va même passer en mode triste, tu vois, genre... voilà, mon petit. Écoute les choses qui sont importantes dans ta vie. Une cacahuète est une cacahuète. Le nuage est dans le ciel. Voilà. Docteur Maboule, je vais t'en faire un docteur Maboule, moi, Grumpy. Tu peux le mettre... à l'époque, il a été mécano. Non, c'était Monsieur Henry. Enfin, tu peux le mettre partout. Hein. À quand du V-Rising ? Bientôt, bientôt. Sachant qu'en plus, il y a du monde sur le serveur de la communauté. Mais même, tu vois... Mais en fait, sur toutes les demandes que j'ai faites, honnêtement, toutes les demandes, c'est souvent bah, du CV. Alors moi, du CV, c'est une conversation verbale, on est d'accord. Mais c'est problématique, en fait, les heures de recrutement qui sont libres. Parce qu'elles sont souvent à 20h45. Alors 14h, pourquoi pas le 14h, j'arrive à me libérer le 14h. Le 14h, c'est... J'avais essayé un stream la journée. Voilà. Après, ils courent pas tout. C'est ça le truc. Je sais pas dans leurs exercices, mais... Attendez, je vais, comment dire, prendre la chose en main. je ne cours pas, hein, mais j'arrive. Après, il suffit de contacter soit un haut gradé, les Speedy ou EMS, et dire que tu n'as pas n'es pas dispo et ils peuvent adapter les heures. Salut, Tag. Oh, Tagada. Bonjour, mon petit Tag. Oh, mon cher Yuri. Vous me manquez beaucoup. Vous voyez, je suis tout seul dans cet hôtel. Il y a des fantômes. Non, mais vous savez, moi, après... Oui, je vois, ben oui. Oui, je suis tout seul, là, tu vois. J'entends des voix de temps en temps. J'entends Monsieur Yuri, je l'entends, je suis sûr qu'il est derrière la porte. Mais c'est mon seul problème, en fait. Et puis, je veux pas imposer... Ça va. Je veux pas imposer non plus mon personnage aux gens. Enfin, pas aux gens, mais aux équipes de patrons. Mais c'est super difficile pour moi, 20h45, parce que bah, on a une vie hein, derrière. 20h45. 14h, je peux peut-être le faire. Soutien avec toi. Ah non, il marche pas celui-là. Tac. Oh non, remboursez-le. Remboursez. Mais tac, je t'ai pas vu. Hein. Je t'ai vu hier soir, vite fait. S'il court, pas forcément, dur. Et ouais, s'il court pas, ben ouais. Ben non, ben, est-ce que t'es obligé de courir, honnêtement ? Eh, regarde. Imagine la situation. Je fais ce que je veux dans l'hôtel, de toute façon. Hein. Entre guillemets, c'est l'hôtel de Patour en attendant. Voilà. Imagine la situation. J'ai un fusil. Hop, je suis agent de police. Arrêtez-vous. Ah non, ben non, commence pas. Chut. Bah tu me mets pas en guerre. Merci pour les cheers, Grumpy. Tu me mets pas en guerre. Imagine, je suis là. Bougez pas, je vais vous avoir. On peut négocier si vous voulez. Je suis l'agent Patou, numéro 248. Un petit clin d'œil, voilà. Et je peux vous discuter, vous tenir en main. Bougez pas, je suis armé avec un pistolet à eau. En vrai, je suis sûr
ils vont faire une exception vu ton niveau de RP. Non, je veux pas d'exception. Non, non, non. Je retourne dans ma chambre, pour la peine. Monsieur Yuri, je vous ai entendu. Mais tu le mets pas en guerre, en fait, du coup. Voilà. Tu le mets dans une voiture ou tu le mets en contrôle routier, je sais pas. Crois-moi qu'il va, il va arrêter beaucoup de monde. Hein. Hop, arrêtez-vous. Non, j'ai alors, la première j'allais dire postulation. Ouh là là, c'est pas très français. C'est, la première le premier job c'est le Why News. Mais il me parle de CV. En fait, toutes les sociétés demandent des CV. Sauf voilà. MS, ce serait trop au début. Ce serait top au début. MS, oui, je pense. Mais j'ai expliqué à Lily ou à comment à que je peux pas, moi, c'est des horaires super compliqués, 20h45. Allez, Baudins! Tu l'as entendu ou pas, cette histoire, Tagada? Oui, j'ai discuté avec un agent de police qu'on parlait des balasses. Et en fait, ça a fini par les Baudins. Oui, les malasses, les Baudins, oui, c'est ça, vous m'intéressez. C'était ta première idée? Oui, 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 bien sûr. Non, mais c'est pour dire qu'en fait, je peux m'adapter. Moi, mon RP, je vais l'adapter à la situation du job. Ça, c'est sûr. Parce qu'il faut que j'ai quand même un job. Malgré tout, j'ai pas de thunes. Bon, c'est vrai qu'à droite, à gauche, on m'aide beaucoup. Les petits enfants, là, les petits du garage, ils m'aident beaucoup. Ils sont adorables. Pour ça, voilà. Mais Monsieur Patou a une fierté quand même. Il faudrait qu'il travaille, quoi. Hein. Parce qu'on me pose souvent la question, vous travaillez où? À l'hôtel, je suis l'hôtelier. Oui. Ah bon, il y a un hôtel? Oui. Oui, là où on fait de la cafetière. Les dames de la corde viennent ici. Mais après, logiquement, en théorie, ça devrait passer en tant que MS. Tout à l'heure, j'ai fait... Alors, je sais pas si vous avez vu la scène tout à l'heure avec le gars qui était sur la route, parce que je suis tombé comme sur deux personnes qui étaient en mode coma, ou du moins en mode sur trottoir ou sur la route. Et j'ai rencontré un médecin ou je sais plus quoi, et voilà quoi. Mais je sais pas si tu peux avoir un job, admettons, tu vois, t'es médecin, et d'être en discussion. Enfin, tu discutes de toute façon avec tout le monde. Vous savez, je me suis promené, mais justement dans le quartier des Balasses, hein, d'ailleurs. Et je sais pas, alors on avait. Tiens, Tag, si t'es là. Enfin, c'est peut-être pas forcément l'endroit pour poser la question, mais. C'est vrai qu'avec Patou, lui, il prend sa voiture et il se promène. Il se promène avec sa voiture, on est d'accord? Il se promène à droite, à gauche pour aller voir les gars du quartier. Puis en ce moment, lui, il cherche de faire des PTM, enfin des ATM. Mais pour lui, c'est des PTM. Et en fait, il cherche du matériel. Donc, bah, parce qu'il en a marre, de se prendre pour un con, surtout par les flics. Donc déjà, pour entrer dans la police, c'est un peu compliqué, mais bon, il n'a pas de dossier, hein, donc je sais pas. Mais pour expliquer, c'est que hier, on s'est posé la question... Est-ce que le staff de Red Start va être exigeant par rapport à Monsieur Patou ou par rapport à mon personnage? Parce que, évidemment, Monsieur Patou prend sa voiture et ben, il va dans les quartiers. Et moi, j'ai pas de map déjà. Alors déjà, j'utilise pas, vous savez très bien que j'utilise pas de map. Mais en même temps, je vais dans le quartier avec ma voiture, mais je ne connais pas le quartier en RP. Enfin, je veux dire, je sais pas quel est le quartier. Voilà. Est-ce que, justement... je peux avoir un avertissement parce que je ne respecte pas, parce que c'est un quartier. Est-ce que le RP est intégré ou pas du tout? Comment est compris, ou du moins la compréhension? C'est ça qui va être intéressant aussi. Évidemment, c'est pas pour faire du win ou du je sais quoi, mais du power ou j'en sais rien, tous les termes là, mais bon bref. C'est évidemment, je suis pas là pour foutre la merde. Moi, je suis pas là pour... c'est pas mon but, c'est pas l'intérêt. MS interdit de faire de l'illégal. Ah merde! Un EMS peut pas, genre, faire un ATM? Ah
Un peu pas. Bon, c'est juste un petit appareil qui fait. Je sais pas si Tag a entendu la question, la réponse, la question. Normalement interdit pour tout de circuler dans mes quartiers. Dans mes quartiers, dis donc. Pure RP. Tu peux y aller, le staff te dira rien, mais les gangs risquent de te tirer dessus ou te racketter. Oui, mais ça, je suis d'accord, en fait. En fait, moi, ça me paraît logique, en fait. Parce que honnêtement, si on applique le RP, après je veux pas changer les règles, hein, c'est pas le but, c'est pas ça même. C'est surtout la compréhension en fait, c'est surtout. Je veux pas, j'ai jamais eu d'avertissement sur un serveur et je voudrais pas en avoir parce que j'estime que je ne dois pas en avoir. Enfin voilà, j'aime pas ça. Enfin voilà, ce serait con que je fasse des choses mal. J'aimerais pas faire les choses mal. Mais effectivement, moi je me promène dans un quartier. À la limite, c'est presque c'est ce que je disais hier soir. Je dis, je vais dans ce quartier-là, je sais même pas, parce que sur la map, je connais pas. Je regarde même pas la map ici. Si je regarde, apparemment, il y a des couleurs et tout ça, je comprends rien. Et puis, je veux même pas comprendre, en fait. Enfin, je veux pas comprendre. Je veux pas prendre en compte de tout ça. Mais le but, c'est que même si Patou, il va dans un... Bah, regarde, je vais voir les mini-boys. C'est pour discuter avec eux. Et puis, peut-être... voilà. Après, s'ils me prennent en prise d'otage ou racketé, tout ça, ben voilà. C'est une scène. C'est une scène ouverte. Enfin voilà, ce sont juste des questions comme ça, banales, et qui paraissent... voilà. Et du coup, moi, je peux pas aller boire, manger. Voilà, c'est fermé. Un peu pas. Je suis obligé de me taper les distributeurs. Voilà. Oh, j'ai plus d'eau. Oh, j'ai plus d'eau. Bah, je vois un cocktail. Ah oui, d'accord. Merde. Arrête. Ah ouais, tu peux continuer comme ça? Ouh là là. Ouh, est-ce qu'on peut conduire comme ça? C'est dangereux. Ah mais ça remplit pas. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Wow, ça me tourne la gueule. Non, interdit. Le souci, c'est que dans les quartiers, et que tu roules sur les roues, leur route, ils te tirent dessus sans aucune raison. Oula. Bon, t'arrêtes. Merde, j'ai plus de boisson, j'ai plus rien sur moi. J'ai plus rien du tout. C'est possible que quelqu'un puisse te piquer ton permis ? Que quelqu'un puisse te piquer ton permis ? La dernière fois, j'avais plus mon permis. Enfin, plus le papier lui-même, c'était bizarre. Qu'alors, enfin bon. J'ai pas compris. Bref. Allez, on va se quitter là-dessus. Et on va partir dans 10 minutes à peu près. Dans 10 minutes, je reviens sur Satisfactory. Le temps de me faire un café. Et puis voilà, quoi. Le temps de changer les formats et tout ça de jeu. Merci d'avoir regardé le stream de Monsieur Patou, en espérant que ça vous plaise toujours, et surtout, bah que on va avancer un petit peu avec Patou. Et puis on verra par la suite, le RP is RP. Je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui seront là, pour Satisfactory Chill, on va retourner là-bas. En attendant... Je vous dis bonne soirée et demain, je verrai. Et bisous. Bon, je te vois pas tout à l'heure, hein, Ama.
bon, peut-être. Allez, des bisous à tous. À tout à l'heure pour ceux qui seront là pour Satisfactory. Merci d'avoir regardé, Patou.